play hard Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette dixième épisode du douzième homme. On voit qu'il y a déjà des gens dans le chat, ça fait plaisir. Donc déjà bonsoir à tous, on vous saluera bien évidemment les uns après les autres juste après. Mais euh, pour ce soir, émission un peu spéciale parce qu'on va recevoir à la fois un rival, mais aussi un ami quand même. Et ça c'est chouette. En tout cas, on est très content d'accueillir Vins. Salut Vins. Bonsoir à tous. Eh bien bonsoir. En tout cas, c'est la première fois qu'on t'entend. Hein, D'ailleurs au passage, donc euh, ça nous fait d'autant plus plaisir en tout cas. Tout à fait, ouais, ma première sur HTA #actu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors souvent présent dans le chat, hein, on te connaît quand même bien et donc euh, on te connaît à travers le chat en tout cas, donc c'est cool en tout cas de t'avoir aussi avec nous. Je suis sûr que dans le chat, ils sont contents, n'hésitez pas en tout cas à saluer aussi euh, GD Vince, euh, dans le chat bien évidemment. Et donc pour faire simple, donc pour te présenter, alors déjà tu joues depuis très longtemps, depuis 2007. Ouais, ça fait un petit moment maintenant, euh, bientôt euh, bientôt 16 ans que je joue à Trick euh, avec une une équipe euh, en Bretagne, Boite-aux-Brestois, et du coup une équipe en Ligue anniversaire depuis, depuis 2022 et tout récemment début de l'année là j'ai créé, créé une équipe en, du coup, au Burkina et j'ai attendu de trouver une petite place en Côte d'Ivoire pour pour une quatrième équipe donc, ça me prend un peu plus de temps qu'avant. <laughs> ouais, clairement, c'est vrai ça fait pas mal d'équipes en tout cas. Et en fait, finalement, euh, déjà en plus, tu en troisième division aussi en France. Enfin, donc voilà, tu as une certaine expérience. On voit que tu as l'habitude en tout cas des clubs et tout ça. Donc en tout c'est déjà sympa. Et puis il y a une petite histoire un peu entre nous hein, finalement, comme tu fais partie. Euh, bah, tu es le seul joueur francophone. Euh, dans la même ligue que nous, en tout cas au Burkina Faso. Donc, c'est ça qui est assez sympa dans, dans l'histoire, on va dire. On va vous remettre ici, comme ça, vous pouvez voir sur l'écran euh, le classement de la poule actuelle. Donc, Devine, c'est avec les étalons bretons, qui est premier. Donc, ce soir, le but dans le chat, bien évidemment, c'est de lui proposer des enchères pour essayer de le soudoyer. Vous avez compris, euh, bien évidemment, l'enjeu de ce soir. <laughs> non, pas du tout. Mais, euh, donc voilà, j'ai Devine, tu es premier déjà dans le championnat. Donc, déjà, bravo, au début, en tout cas, euh, parfait. Bah pour l'instant, ça fonctionne bien. Une seule défaite contre le décret de VFC. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est une petite tâche euh, du, de mon parcours. En plus, c'était un match, je crois. De mémoire, c'était un match très serré. La pièce pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Pour une fois, c'est tombé de notre côté, ça fait plaisir. <laughs> bon. ouais. C'est vrai que... Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, et par contre, ça c'est encore plus impressionnant, c'est que ce soir, tu es en finale de Coupe Saphir. C'est ça. Euh, donc le match a déjà commencé. Euh... Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand chose, une seule occasion pour l'adversaire. Donc, euh, on va voir ce que, ce que ça donne. Effectivement, bon, il, il est un petit, un petit cran au-dessus, donc euh, ça risque d'être compliqué, mais on ne sait jamais. Ouais, mais c'est cool C'est cool de t'avoir justement aujourd'hui parce que c'est justement aussi l'occasion, effectivement, de voir, euh, de voir ce, ce match de coupe. Euh, je vois déjà une question dans le chat qui dit, euh, c'est Katox qui dit, salut Gédévin, ça fait quoi d'être l'antagoniste du Dicrédit C'est vrai que t'es un peu l'antagoniste, hein. t'es un peu le méchant, tu vois qu'il faut toujours dans les séries des, des, des gentils et des méchants, tu es un peu le méchant, même si bien évidemment on rigole avec ça, je tiens enfin, à préciser. Bah, c'est toujours euh, sympa du coup de participer de, de ce côté-là aussi et de, de, pouvoir, de pouvoir voir le, le Dicrédit FC de, de l'intérieur et, et c'est assez particulier de, de suivre les réflexions de... D'un adversaire et d'avoir l'impression d'être euh, dans sa tête. <laughs> c'est vrai, c'est vrai finalement. Et donc c'est pour ça que ce soir on va regarder ensemble euh, un peu, enfin on va faire voilà un peu la routine habituelle parce que disons qu'on est encore contre des bots, on est dans des matchs amicaux, etc. Donc c'est vrai que là on est un peu, là finalement ce soir on va un peu se centrer sur toi, sur ton match de coupe, on va voir un peu tout ça et on continuera un peu nos routines de club bien évidemment. Donc ce serait quand même très sympathique. Et alors pour la précision, comme ça on ne peut pas nous accuser en tout cas de tricherie ou de collusion éventuelle, c'est que de toute façon nos deux, nos deux équipes pardon, ne vont pas s'affronter avant 5 ou 6 semaines de toute manière. Donc tu vas pas faire la compo contre le match capital entre nos deux équipes, bien évidemment. Donc il n'y a pas de collusion possible dans ce cas-là. Petite précision importante. Uh, Scalpier popette qui dit quoi J'ai des vins ici, scandaleux <laughs> non. Ça va, tu sais bien ce qu'elle fait. Il dit toujours l'inverse de ce qu'il pense. Et j'allais oublier, bien évidemment, Z qui est sur le bord du terrain parce qu'on suit qu'un seul match finalement aujourd'hui. Salut Z. Bonsoir, bonsoir. Et euh, tu es content aussi. qu'un match à suivre. Ouais, c'est ça. ça un match. Je n'ai qu'un seul match à suivre donc ça va, ça sera assez relax pour moi. Et, euh, et tu as, je pense, peut-être un petit résumé de ce qui s'est passé, même si ça, ça reste calme en tout cas ce qui s'est passé la dernière ah, semaine. Ah, c'est très très hein. calme vu que maintenant on est en rythme de croisière effectivement. Donc la semaine dernière nous avons reçu. Quelqu'un que nous connaissons très bien qui est notre ami Darcel euh, et notre co-animateur -co du vendredi euh, donc ce qu'on a fait on a décidé d'augmenter avec le chat la capacité de notre stade à 20 000 places euh, nous avons gagné bon petite anecdote notre match amical face au club de Nina euh, 3-0 nous avons fait la compo de l'équipe A en CA 5-4-1 euh, et euh, notre match de championnat euh, dimanche donc on, nous avons gagné, euh, gagné 2-5 face, face à un bot à SFA Sud-Ouest voilà donc rien de rien de bas particulier euh, comme d'habitude à vous de jouer maintenant parfait merci beaucoup Zed et alors euh, et alors je dis Vince écoute j'ai envie de dire on suit ton match bien évidemment tu le suis aussi dans le chat aussi donc ça bien évidemment on va être focus sur le match il y a des buts mais je pense qu'on peut voilà euh, voir un peu avec toi euh, par quoi est-ce que tu voudrais commencer J'ai envie de te laisser le choix. Est-ce que tu préfères les seniors, les juniors Tu as libre libre champ pour toi euh, Moi je suis assez impatient avec les, les juniors, donc <laughs> euh, je serais pas mal allé aller voir... Déjà je pense que... Le rapport du, du dernier match ok on peut faire ça tu sais que les juniors c'est un peu genre le, on dit toujours à la cerise sur le gâteau et tout. les gens sont là pour ça dans le chat hein, donc nous on essaie toujours de faire ça à la fin mais on a déjà fait avec d'autres invités je crois qu'avec un autre invité on avait fait ça au tout début aussi donc comme ça les gens qui sont pas présents avec nous directement bah, ça, ça leur fait dire un peu euh, bah fallait être là donc pourquoi pas mais déjà on va effectivement regarder le match et on voit qu'on a perdu 7-2 contre l'équipe junior de, de Scalpel et Puppet. Scandaleux le petit crédit FC. Pourtant, on a une bonne ligne d'attaque qui est en train d'être formée, donc euh, un peu déçu. Et euh, voilà ce que ça a donné. Donc, bien évidemment, pourquoi le rapport de match pour voir euh, s'il y a eu des, des occasions spéciales, c'est ça, GT Vince Bah ouais, il y a déjà un petit euh, but d'un joueur imprévisible, Basile Ouattara. Effectivement, est-ce qu'on le savait lui ou pas J'ai un petit doute. Euh... Non, écoute, je pense qu'on le savait pas. Et donc on va le noter. Attends, donc c'est quoi attends, Juste pour être sûr, parce que oui, non, t'as raison, c'est. Euh, un joueur imprévisible effectue une passe inattendue et décisive conduisant à un but. Ah non, non, c'est pas Basile Ouattara, alors attends, c'est. Ah non, ça doit être. C'est à la 73e. Donc on va regarder ça tout de suite. Et donc c'est Gilbert est capable de gestes incroyables. Incroyable, c'est Gilbert Bon, dommage parce que finalement, c'est peut-être pas le plus affûté des, des jeunes qu'on a actuellement. <laughs> Mais euh, on va quand même le noter pour Gilbert, ça restera dans l'histoire, hein, que Gilbert est imprévisible. On va noter ça. Et euh, déjà, ça c'est pas mal. Ok, euh, sacré Gilbert en tout cas, qui donc, est imprévisible. Et euh, on va revenir sur le match, pardon. Voir s'il n'y a pas eu quelque chose d'autre, hein, bien évidemment. Mais je ne pense pas à première vue. Hein. Ah oui, attends, attends, on va juste faire un petit truc, c'est les aléas du direct, hein, bien évidemment, mais euh, c'est vrai que j'ai des j'ai complètement oublié. Euh, normalement, je partage mon écran pour pas que tu aies un, une espèce de lag de 3-4 secondes à chaque fois, donc euh, si tu veux, je vais te partager l'écran Discord. Et en attendant, je vais te demander, comme ça on va combler en faisant ça, bien évidemment, euh, je me posais une question, est-ce que ça se prononce bien GD Vins ou c'est pas genre Grand Vins ou quoi, c'est GD Vins ou ton pseudo Non, elle elle a... c'est Grand Vins en fait. Hey, mais tu sais quoi, je me suis posé la question juste avant l'émission, je me suis dit, En fait, on a toujours dit j'ai des Vins, mais c'est le coup, c'est peut-être Grand vince Ok, bah écoute, on va essayer de se rappeler de ça, ça sera Grand ça. Alors, ok. Parfait, et je te partage l'écran, comme ça tu sais qu'au cas où, tu peux avoir directement accès à ce que je vois en temps réel et, et pas de délai. Ok, ok. Juste <laughs> dans le chat, j'ai oublié de vous dire bonjour. On va quand même dire bonjour, bien évidemment, à tous ceux qui sont là. Donc je vois qu'il y a euh, Todajam, euh, Katoxt, Quavara, qui est no donc nostalgique. Mev, euh, on a du beau monde en tout cas. Je vois qu'il y a aussi Chef Lindois qui est là. Euh, bon, j'ai des Vincis avec nous. petits bac aussi, bien évidemment. J'espère avoir oublié personne. Si vous n'avez pas encore parlé dans le chat, n'hésitez pas. Comme ça, on vous dit bonjour pour commencer l'émission, bien évidemment. Et oui, n'ai pas partagé l'écran encore ce qu'a fait Popette, mais là c'est fait normalement. J'avoue, j'ai oublié, j'ai oublié, ça peut arriver. Et donc voilà, en tout cas pour les jeunes. Euh, comment ça se passe, toi, en tout cas au niveau du centre de formation, euh, au niveau de tes jeunes Est-ce que tu as des petites pépites Ça se passe plutôt bien Ouais, plutôt pas mal. Euh, bah, la pre première semaine, j'ai tiré un gardien direct euh, qui n'a pas encore 16 ans, qui est euh, honorable gardien maxé, euh, défenseur 4. Et, euh, par contre, il est juste euh, couvrant franc 2 et maxé. C'est euh, euh, le petit côté un peu dommage, mais euh, ça fera un, un bon joueur euh, pour le jour où peut-être il y aura des, des équipes nationales euh, au Burkina. Ah bon. Clairement, 7 gardiens, c'est ça que tu as dit hein. Ouais, voilà, oh ouais, euh, honorable, euh, faible, euh, faible défense. Et... et à côté de ça, j'ai quelques joueurs avec, euh, avec un peu de défense. Donc... Ok, Ton premier joueur, de... c'est... Ouais, le premier, ouais. Un peu comme nous avec Sanogo, tu as finalement un premier joueur euh, qui est plutôt correct, en tout cas. C'est chouette. C'est le hasard, je suppose, mais... Euh... Mais c'est pas mal. Euh, ok, ok, tip top. Écoute, est-ce qu'on va aller voir l'entraînement des jeunes, peut-être, pour voir justement euh, qu'est-ce qui s'est passé Allez, c'est parti. Bon, J'ai encaissé un but par contre. Est vrai. Ah mince Ah, ils pas... ah oui. euh, Ils un peu partout à la fois. Pas de soucis, Zet. pas de soucis, pas de souci de toute façon. Donc 1-0 pour ton adversaire, ok. On va espérer porter chance. Hein. On... <laughs> on espère vraiment. <laughs> Quand même. Euh... 4, c'est pas mal. Effectivement, déjà, on a 4 joueurs potentiels. Et je vois qu'il y a Numu et Sanogo. Et Watara je pense qu'il est pas mal aussi. Je pense qu'on peut avoir peut-être des choses sympas. On va lire le rapport, c'est parti. C'était touchant de voir Sangoulé Kofi pendant le match cette semaine, il nous a vraiment donné tout ce qu'il avait. Euh, Newmu s'est bien distingué aujourd'hui, faisant ressortir son inadéquat niveau en buteur. On va aller voir ça tout de suite parce qu'effectivement, ça fait partie de un de nos euh, de nos bons jeunes et on voit qu'il est déjà inadéquat en buteur, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus, c'est notre attaquant costaud, oui c'est ça, c'est notre attaquant costaud qui pourrait potentiellement aussi avoir de la construction, donc euh, c'est cool, en tout cas c'est cool, il est déjà inadéquat, euh, sympa. Ensuite, on va aller sur euh, Kozoloa. Euh, si l'on compare euh, Newmu à ses Oh pardon, attendez autant pour moi. Euh, maintenant je suis certain que Kalixte Zongo ne progressera plus en buteur tant qu'il restera dans l'académie. Mais bon, je crois que lui était pas incroyable. On va les regarder vite fait. Hop, ça c'est fait, c'est pas ce qui nous intéresse. Kozola répond bien aux sessions d'entraînement buteur que nous avons organisées cette semaine. Et il a pris un niveau. Ah mais bah, attendez, nos buteurs, ils sont en pleine forme en fait. Euh, Kozola, donc il passe inadéqu... Il passe inadéquat aussi. Ouais, tu avais vu, on a, on a trois jeunes qui potentiellement peuvent être passables, oui. mais euh, voilà. Ça peut être sympa en tout cas pour les garder euh, éventuellement. Euh dans le futur et alors Basilio Ouattara, pendant le match je dirais qu'il peut atteindre faible en construction donc ça ce n'est pas incroyable malheureusement ok et Sanogo peut passer inadéquat en défense bon ok <laughs> ça c'est voilà on prend mais c'est pas non plus ce qu'il y exceptionnel même s'il est assez équilibré pour l'instant Sanogo il y a un peu quatre ou cinq partout là pour l'instant et euh, c'est bien, tu suis bien, Dapidu. Ah, quand même, il faut, hein, faut... j'ai un peu de mémoire. Je pense c'est pour le costaud que tu dis ça, ce qu'après a pris dans le chat. Et salut à Dundee aussi qui nous rejoint. Et donc voilà, en tout cas, pour les jeunes. Est-ce que euh, donc ça veut dire qu'en fait, tu veux qu'on tire le jeune du centre de formation maintenant parce que ça peut être pas mal, on va... Ouais, franchement. Écoute, j'ai dit, de toute façon, c'est toi, c'est no... notre coach adjoint de la semaine qui décide du programme. Et donc, tu as décidé ça, on va le faire. Est-ce que dans le chat, vous êtes contents qu'on fasse ça directement <laughs> Je fais un peu monter, tu vois, il faut faire monter la sauce hein, pour les jeunes, vu que c'est le moment tant attendu directement. Euh, et bonsoir à New Wink aussi. Carrément, yes, oui, oui. J'arrive juste à temps. Oh, vous arrivez au meilleur moment, c'est maintenant. Moi, je pense à tous les gens qui vont écouter la rediffusion, qui vont passer tout le début de l'émission pour arriver vers la fin, et qui vont se dire, mais tiens, mais ils n'ont pas tiré le jeune du centre de formation. Eh <laughs> bien, ok. Du 15 ou poubelle, on nous dit. Euh, bon, un, deux ou trois dans le chat, ça ne sert à rien, c'est juste pour le fun, bien évidemment. Et en attendant, je vais vous parler d'une révolution qui va se passer dans les émissions euh, de manière générale, mais on ne l'a pas encore mis en place pour ce soir. Mais il faut savoir que sur Discord, ils ont rajouté euh, quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas, Z On va permet... en parler vendredi, ça aurait été plus simple, vu que c'est plus sur l'émission du vendredi qu'on va en parler. Bah écoutez, Z euh, ne veut pas qu'on vous en parle, c'est pas grave, on n'en parle pas, pas de soucis. Écoutez, ça ne sera pas une révolution ce soir, mais peut-être vendredi. C'était juste pour mais gagner du temps, hein, Z. c'est juste pour gagner un peu de temps, mais pas de souci, on en parlera une autre fois. Je vois que c'est 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3. Ok, c'est partagé en tout cas. Toi tu penses quoi, j'ai Est-ce qu'on va tirer en premier, en deuxième ou en troisième euh, le meilleur joueur Ouais, je sens bien le deuxième ce soir. Ok, moi j'espère pas le troisième, parce que c'est vrai que c'est souvent le troisième, hein, finalement. Bah, statistiquement, c'est normal, enfin, plus de chances que ce soit dans les derniers, mais... Euh... Vas-y, Dapidu, dis-le, nous, on est entre nous. Non, il faudra être là vendredi. En plus, vendredi, petite, petite pub vite fait, on aura aussi un invité euh, assez sympa, en tout cas. Le vainqueur des HT Masters qui sera avec nous. Donc, euh, soyez présents aussi vendredi, ça sera intéressant. Mais c'est un autre concept, bien évidemment, une autre émission. On va tirer le premier joueur. Attention, c'est parti. Euh, c'est parti, on va tirer. Et donc, le voilà. J'ai trouvé quelqu'un qui semble être un candidat très intéressant pour vous. Il a 16 ans, il s'appelle Souleymane Somda. À l'heure actuelle, je pense que ses capacités en aiguille sont plutôt d'un niveau inadéquat. Je dirais que dans l'ensemble, il est inadéquat. Si on lui donne une chance d'améliorer sa caractéristique buteur, ce gars pourrait bien atteindre un niveau faible dans ce domaine. Il a 16 ans, donc je vois déjà dans le chat, à mon avis, ça va râler. C'est toujours la grande question de, de savoir 16 ans et combien de jours. Donc euh... Ça, c'est clair, hein. clair. En fait, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que dans l'ensemble, il est inadéquat. Ça, c'est pas mal. Ça, tu vois, s'il avait 15 ans et que c'est un joueur inadéquat en moyenne, c'est vraiment sympa. Hein. Enfin, ça et peut y a être un. Sympa. Deuxième but, malheureusement, pour l'équipe adverse des étalons bretons Aïe aïe aïe, ah, ok. Oui. Bon. Oh, C'était prévisible. Ouais, tu m'avais dit avant que malheureusement tu. Enfin que ça allait être compliqué, ça allait être dur ce match là. Quoi. Mais... Ouais, d'autant plus qu'il a une meilleure, une meilleure endurance que moi, donc les, les notes se, se dégradent au fur et à mesure. Donc, aïe, donc, aïe aïe aïe. Euh, il a acheté un, un milieu de terrain à 20 000 de salaire hier donc. C'était dur de rivaliser, sachant que j'ai 27 000 de salaire en global. C'était quasiment le salaire de mon équipe. Ouais clairement, j'avoue que ça fait un sacré sacré genre dans ce cas-là. Je vois que dans le chat ça marque bye, ça dégage. Next, au revoir. Euh, tu en penses quoi, Grand Vince Ouais, je pense que on va voir la suite. Clairement, hein, je pense aussi. En plus c'est que le premier, finalement c'est le premier, il reste encore deux possibilités, donc on peut clairement euh, dire non sans problème. Et ben, c'est un non alors on on le vire. Attention, prochain joueur, c'est parti. 15 ans déjà, ça ça va faire plaisir. Habib Diara, a l'air prometteur, il a 15 ans et semble avoir un petit quelque chose en plus. Sans entraînement supplémentaire, ce joueur restera à un niveau faible en ailier. Je dirais que dans l'ensemble, il est inadéquat. S'il évolue correctement, ce gars peut probablement atteindre un niveau faible en ailier avant d'entrer dans l'équipe senior. Qu'est-ce que vous en dites Devrait-on lui donner sa chance un faible en ailier avec potentiel faible en ailier, une moyenne inadéquate. Ouais, je pense que je pense que oui, il faudrait qu'on lui donne sa chance. C'est-à-dire qu'il doit avoir une euh, probablement une carac honorable euh, en potentiel. C'est ce que je me dis, hein, comme, Déjà on a deux faibles. Il a inadéquat en moyenne. On a déjà deux faibles, donc potentiellement, ouais, c'est possible qu'il soit pas mal, en espérant que ça soit genre euh, construction, buteur. Euh... Ouais, non, c'est ouais. sympa en tout cas. C'est dit quoi dans le chat? On prend, on prend, pas mal, on prend, pas mal. Ah, ça plaît. Là, je pense que de toute façon, effectivement, euh, on ne peut pas virer un joueur comme ça. Enfin, honnêtement, euh, on ne peut pas dire non à un joueur comme ça. Non, il y a trop de risques d'avoir un mauvais derrière. Euh, ah il clairement. Donc... clairement. Non, il a l'air pas mal. Maintenant, il, faut, il va falloir essayer de découvrir justement, euh, c'est quoi ses bonnes caractéristiques. Donc, c'est intéressant. En tout cas, c'est super intéressant. Il faudrait espérer qu'il ait 15 ans et pas beaucoup de jours. Ça serait cool. Ça nous, nous laisserait un peu du temps quand même pour essayer de découvrir justement ses potentiels les plus hauts. Mais euh, non, je pense qu'on le prend de toute façon. Euh... Sondage. Ouais, pourquoi pas un sondage On peut faire un sondage si vous voulez. Même si entre nous, dans le chat, à première vue, ça a l'air pas mal. Mais on va quand même faire un petit sondage parce que c'est bien de faire participer les gens. Il a bien raison ce popette. Voilà, est-ce qu'on le prend, oui ou non Z, si tu veux. Parce qu'il y a des gens qui, parfois, dans le chat, ne parlent pas aussi, il faut savoir. Et c'est normal, il y a des gens qui nous écoutent simplement, et ils ont raison, et chacun fait comme il le sent. Mais peut-être qu'un sondage, ça permettrait à ces gens-là de s'exprimer sans devoir parler dans le chat. Et on comprend, il y a des viewers de l'ombre, il y en a toujours et c'est normal et on les salue bien évidemment. Donc euh, n'hésitez pas en tout cas. Après, je ne sais pas si. Euh, Peut-être qu'il faut quand même être connecté. Je sais pas s'il faut être connecté à Twitch pour répondre au sondage ou pas, en fait, mais bon. S'il faut être connecté, désolé pour les viewers de l'ombre qui ne veulent pas être connectés, mais bon. On pense quand même à vous. Euh, Est-ce que c'est bien pour toi, Zed Peut-être que Z n'est pas là. Attendez, je vais voir un peu tout ça. Euh... Ok, je pense que Z a un petit contretemps. Il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas. On est, euh... on professionnel avant tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On essaye de meubler un petit peu. Donc, grand Vince, euh... de quoi va-t-on parler Je vais faire le sondage. Je vais juste essayer de meubler vite fait. Mais, euh... bah déjà, oui, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation d'être venu dans l'émission ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Mais sincèrement, c'est super chouette de t'avoir avec nous, en tout cas. Ouais, bah, ça fait plaisir. Et puis, euh, ça permet aussi de... De... de tester. Et puis, bah comme ma fille m'a dit quand je lui ai expliqué que je faisais un live Twitch, que j'allais devenir un YouTuber, <laughs> je lui ai dit que ce n'était pas forcément la... la trajectoire voulue, mais, mais que c'était sympa de... de participer en live à, à... à Twitch directement. Ouais, clairement. C'est chouette. C'est chouette c'est vrai que. Est-ce qu'elle t'écoute, ta fille, là, d'ailleurs Non, non, non. Okay. Je lui montrerai en replay, je pense, sur sur YouTube, YouTube ouais. elle a, elle a, sans indiscrétion enfin je veux dire elle est plutôt plutôt grande euh, là, ou 11 plutôt ans. jeune ok ah oui c'est peut-être un peu jeune et en plus pour un jeu comme Atrix à mon avis elle va se dire c'est quoi ce truc d'extraterrestre <laughs> ce truc de vieux c'est ça en fait <laughs> ça. alors euh, sondage est-ce qu'on prend ce jeune joueur réponse oui réponse non et vous avez. Euh, on va mettre 3 minutes. C'est assez rapide, hein, mais on va faire un sondage très rapide. Est-ce qu'on prend ce jeune joueur, celui qui s'affiche devant l'écran euh, Vous pouvez voter maintenant dans le chat. On va pas vous influencer, mais entre nous, voilà. Quand même, euh... Imagine, on n'a que des noms. Tu vois, peut-être que c'est tous des gens qui, qui veulent nous pourrir l'équipe, on ne sait pas. Hein. Et bonsoir à David Free aussi qui nous rejoint, pile pour le joueur du centre de formation. On a fait ça au tout début cette fois, pour surprendre les gens qui arriveraient en retard. Comme ça, tu sais. <laughs> Non, C'est pas du tout ciblé pour ça, bien évidemment. Et c'est pas moi qui ai voté non. Et c'est vrai qu'il y a une personne qui a mis non, effectivement. <laughs> oui, c'est ça, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est toi, mais non, bien sûr que non. Qui a mis non Mais d'ailleurs, si quelqu'un, enfin, si la personne a mis non, veut expliquer euh, pourquoi elle a mis non, euh, elle peut aussi largement. Je vois qu'il y a deux noms. Attends, parce que. Est-ce qu'on prend ce jeune joueur J'ai bien mis est-ce qu'on prend ce jeune joueur hein On est d'accord, oui, c'est ça. OK ça va le oui le enfin ça va non c'est votre décision à vous mais euh... ça me rassure un peu le oui en tout cas prend le dessus J'ai acheté un péno mais visiblement ça fonctionne pas où ouais, est ce qu'à Popette, c'est vrai que les péno pour l'émission du mercredi on ne sait pas pourquoi ça marche pas ça devrait marcher mais ça marche pas il y a un bug sur l'écran et c'est vrai que c'est toujours pas corrigé on remboursera bien évidemment mais ne prenez pas les les pénalties dans les points de chaîne s'il vous plaît <laughs> ça serait cool Et donc voilà, on attend juste les, les résultats, mais il ne reste pas beaucoup de temps, il reste une minute donc euh... trente. Donc ça on a va... La tendance pousse à prendre le jet quand même. Ouais, on est quand même plutôt sur du... Il y a quand même deux noms, tu vois, je serais curieux de voir les noms, qui a mis nom et pourquoi. Parce que je prends, franchement, je prends vraiment... Euh... Moi, j'aime bien justement quand parfois il y a des points de vue qui s'opposent et c'est là où on peut vraiment prendre des choses. Donc si des gens estiment qu'il ne faudrait pas le prendre pour une raison X ou Y, n'hésitez vraiment pas. enfin... Hein, Peut-être pourra sûrement me rembourser. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il, pourra, il aura les outils. Pourquoi il sera de, tour, de retour On lui demandera bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, les deux qui ont dit non, si vous voulez dire. En tout cas, pourquoi non, n'hésitez pas à le dire. Et si vous ne voulez pas le dire, vous êtes libre de ne pas le dire, bien évidemment. C'est le principe du sondage anonyme. Mais effectivement, on part sur le oui quand même. On va attendre un petit peu. J'ai voté non pour déconner une disque à Paris Popette. Ok, ok. Fais gaffe parce que si tu votes pour déconner, c'est comme ça qu'il peut se passer des dingueries dans les élections, les vraies élections politiques, quoi. Tu vois tous les gens qui disent ouais je vais voter ça parce que blablabla et finalement <laughs> bon, on n'est pas un pour parler politique bien évidemment. Ok habib Diara Dia en tout cas ok curieux de le voir. Est-ce que tu as eu un bon jeune de ton centre de formation cette semaine euh, Cette semaine j'ai tiré quoi je... Je vais regarder. Et... J'ai eu un 15 ans, euh... un petit peu le même profil. Euh... Passe 4, potentiel 4. Euh... La différence, c'est que lui, il est en moyenne, passable. Euh, moyenne faible. Pardon. Ok. Ça ira pas bien haut. Ah, effectivement, après, ça peut être faible haut et nous inadéquat bas, enfin, donc au final, euh, ça peut être oui. plus aussi hein. Mais euh, c'est un oui, avec 75% des votes, 25% de non. Et donc on prend ce jeune joueur, est-ce que devrait-on lui donner sa chance Oui, alors on va découvrir sa vraie tête. Non, là c'était la tête du recruteur, hein. c'était pas la tête du joueur, je vois que ça parle de la tête dans le... Dans le... Là c'est la tête de notre joueur qui a 15 ans et 20 jours, franchement c'est pas mal. Hein. Enfin, en tout cas ça laisse du temps pour découvrir ses, euh, ses caractéristiques, 15 ans et 20 jours. J'ai rarement eu aussi peu âgé un joueur. En franchement, euh, c'est rare. Ouais, ça c'est bien, ça laisse, ça laisse le temps de découvrir les caractéristiques. Et puis si s'il si n'a pas de buteur, euh, ça laissera le temps de finir les, les attaquants en place euh, avant de le former lui. Exactement, ouais, t'as raison, t'as raison, c'est vrai. Imaginons... Euh, ou même s'il a de la défense ou un truc comme ça, tu sais qu'il prend un peu plus de temps, euh, ça peut être sympa, effectivement. Scalpopet qu qui dit j'ai eu un 5 jours la semaine dernière. Ah ouais, c'est vraiment bas. Hein. J'ai dé déjà vu un 15 ans et un jour. Eh ben, je ne savais même pas que c'était possible. Moi j'ai toujours pensé que c'était limité, qu'il y avait un minimum dans le nombre de jours pour les 15 ans. Mais ok, donc euh, les jours c'est vraiment aléatoire. Il peut y avoir 15 ans et un jour, nous dit Petit Bac. Euh, incroyable, incroyable. Ok, bah écoutez, euh, je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, il faudra essayer de commencer déjà un peu à travailler sur lui, tout en pensant à nos attaquants aussi. Donc euh, c'est cool, on a de quoi faire pour les jeunes en tout cas. Si tu, si tu veux, Grand vienne je fais peut-être un petit résumé des joueurs. Alors, on les, normalement, on les avait triés. Par, catégorie, euh, par numéro de maillot je pense pardon donc on avait euh, Kozoloa dans les buteurs tu vois potentiel est ce que tu vois bien sur l'écran ou pas dis-moi si y a un souci ou quoi tu me dis hein. ah ouais, non c'est bon sanogo voilà un peu finalement un peu le même le même type euh, ah oui d'abord on l'avait mis je sais plus pourquoi ah oui c'est parce que c'est ceux qu'on avait tiré du centre mais bon finalement c'était pas cela sur lequel on va se concentrer il y a juste le dernier qu'on avait pas mis alors attendez je vais juste euh, pourquoi on a mis 2 et 9 on va, on, va, on va retravailler un peu tout ça, parce que j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Il faut juste retrouver notre troisième attaquant, parce que c'est vrai qu'on ne l'avait pas mis, notre troisième attaquant, qui est... Attention les yeux, on scroll, on scroll. Voilà, Newmu. On va remettre. Donc Newmu, on va le mettre en 3. Par exemple, hein, ça, ça ne change rien, bien évidemment. C'est juste pour nous, pour se retrouver. Euh, voilà, donc Kozoloa, Newmu et Sanogo, c'est nos attaquants, on va dire, pardon, nos attaquants euh, phares, en quelque sorte. Et alors, notre dernier joueur, on va trier par âge pour le récupérer, ce sera plus simple. Euh, Habib Diara. Je pense que lui, on va lui mettre un, aussi un petit. Euh... Donc, tout ce qui est, on va dire, euh, en dessous de 20, c'est euh, nos attaquants. Et on va mettre un petit euh, 10. Euh, tout ce qui est pardon, en dessous de 10, c'est nos, atta nos attaquants. Et à partir de 10, c'est euh, voilà, à voir, en tout cas, à suivre. Et donc, voilà pour les jeunes. Honnêtement, c'est un peu tout ce qu'on a euh, réellement de concret c'est nos, nos buteurs. Et euh... attendez, je fais n'importe quoi. Je suis par âge. <laughs> Désolé, je vais y arriver. C'est la, la, soirée pour tout le monde. Hein. C'est pas toujours évident. Voilà. Et donc voilà. Donc je sais pas qu'est-ce que tu en penses. En tout cas, première vue, euh, est-ce qu'on continue les buteurs et on essaye de trouver un peu des caractéristiques du nouveau joueur bah, je pense qu'il faudrait continuer sur le buteur. Après, euh, c'est vrai que ça va être peut-être. Euh, Sanogo est déjà maxé en passe, donc. Euh... Peut-être ailier, euh, même si le dernier qui est arrivé, euh, c'est la carac qu'on connaît déjà. Euh, Abdarrahman Dabo, euh, il n'a pas fait une bonne note en, en milieu de terrain, donc il doit pas avoir de construction. Je sais pas s'il a déjà joué en buteur. On va regarder ça tout de suite. Euh, attendez, ce pas ici, c'est sur le joueur. Hop, euh, Il a joué en milieu de terrain et ailier, mais pas en buteur, effectivement. Peut-être de lui faire jouer un, une fin de match pour pour voir s'il fait une note correcte en, en attaquant, mais parce qu'au milieu de terrain il y aura il y aura pas grand chose. Ok. Donc, euh, et après pour l'entraînement. Euh, je sais pas ce qui a été fait en entraînement secondaire la semaine dernière. Je vais dire ça tout de suite. Même moi, je t'avoue que j'ai un trou de mémoire, mais on était sur donc buteur, ça c'était sûr et construction. Ah oui, c'était construction potentielle qu'on avait mis. Bah, je pense qu'on va faudrait rester sur buteur en primaire et puis euh, et puis faire la compo pour et puis en fonction de ce qu'on ouais. qu décide de euh, voir ce qu'on met en, en secondaire. Écoute, je pense qu'on parle là-dessus. De toute façon, euh, pour la ligne d'attaque, ça va être facile. On a notre, déjà notre ligne d'attaque. Un hein, des nos trois attaquants, on va dire qu'on veut essayer de maxer de toute façon. Donc voilà la compo qu'on avait sauvée en tout cas la semaine dernière. Donc Kozola, Fofana, Sanogo. Euh, on avait mis construction pour. C'était pour qui C'était pour. Ok, finalement, à mon avis, ça doit être qu'on a vu. Enfin, bon, bref, on a des... potentiellement ici des gens avec de la construction. Euh... Donc, le but, ça serait d'incorporer. Ah oui, non, attends. Fofana. Ah, on n'avait pas mis Newmu, mais pourquoi on n'avait pas mis Newmu C'est dur de se rappeler parfois. Après une semaine, tu vois, sans toucher à l'équipe, franchement, parfois, c'est dur de se rappeler pourquoi, comment, etc. Bon, bref, déjà, Newmu, c'est sûr qu'on va le mettre à la place de Fofana. Je pense que Fofana, on a voulu découvrir son niveau en buteur. C'était pas une compo par défaut euh... Enregistré euh, précédemment T'as peut-être raison. Tu sais quoi, on va faire compo précédente, les petites traqueuses. En fait, c'est ça, ok, ok. C'est pour ça alors que j'avais du mal à comprendre. En fait, tu vois, j'étais en train de me poser genre deux questions. C'était pourquoi il n'y avait pas New en buteur Et pourquoi il n'y avait que 4 milieux alors qu'on avait mis construction Tu vois, C'est vrai que ce n'était pas logique finalement. Il fallait qu'il y ait au moins 5 milieux. Donc, euh, non. Bien vu, effectivement, bien vu. Euh, donc voilà. Donc La ligne d'attaque, elle, je pense qu'on peut la laisser. Sauf si on veut découvrir peut-être le niveau en buteur de Tiara. Ça, c'est ce qu'il faudra voir. Plutôt euh, mis aligné euh, de, en fin de match pour, euh, pour voir quelle note il peut faire en, en, en attaquant euh, actuellement. Diarra, notre nouveau ou, ou tu parlais de. Ah non. oui, non, je. Étais sur. Ouais, toi, tu étais sur euh, de mémoire, c'était. Dabo, non le... Ouais, c'était ça, c'était Dabo ouais. que tu avais dit, euh, justement le milieu qui avait trois. C'est vrai qu'on ouais, préfère. En fin de match. Euh... Ouais, on va le mettre ici. Ouais, t'as raison. En fait, donc pour faire simple, l'idée euh, derrière tout ça, ça serait de... Euh... J'essaie de résumer pour être sûr. Hein. Tu, vois, tu me dis si je me trompe ou pas. Hein. Je pose toujours des questions un peu rhétoriques, mais justement pour, pour en apprendre, on va dire. C'est qu'en gros, les trois ici, on va les entraîner au buteur en maximum. Et en fait, on ferait rentrer en fin de match d'abord, parce que ça permettrait déjà, un, d'avoir sa note, et donc ça peut déjà donner une idée, en tout cas, de son potentiel, en tout cas, de, de, en, en attaque. Et ça pourrait aussi ah. dévoiler éventuellement euh, sa caractéristique buteur aussi pour ça faudrait il faudrait qu'il joue plus de 45 minutes donc euh, je pense pas qu'on a intérêt à l'aligner à l'aligner euh, une mi-temps entière ok euh, mais juste en fin de match euh, parce qu'après à, à côté de ça il n'y a, a pas de belle carac euh, ça dépasse pas le 4 donc euh, ah ouais. si euh, ça ferait au pire un, un mono buteur euh, c'est pas, euh, pas forcément terrible non plus donc euh, Là, j'aurais laissé les trois, les trois dont on connaît déjà, enfin, qui sont déjà inadéquats de buteur, euh, pour, les, pour les faire monter. Et puis, euh, et puis après, travailler sur, sur Diarra pour, pour voir où est-ce qu'on peut lui le positionner pour, pour voir s'il n'y a pas une carac à, à révéler. Clairement. Donc en fait, Diarra, ça sera finalement euh, construction ou défense, finalement. Pour faire on simple. Euh, peut-être. Euh, ou essayer de sur la passe, je crois pas qu'il soit très haut, c'est qu'il y a Sanogo qui est maxé, je crois, en passe. Oui, exactement, et, Sanogo. Ouais. Ici, on ne sait pas pour Nyumu, et euh, lui, c'est 3 maximum pour Cosodoa. Ouais. Bah, sinon, ça peut être peut-être de mettre Tiara euh, au milieu, et puis de garder les trois attaquants, et de, et de mettre 5 joueurs en défense, comme ça on aurait le potentiel passe de... De Diara ou de ou de Gnu. Donc quoi Mais On mettrait diara donc au milieu par exemple. Donc j'imagine par exemple à la place de Zongo qui était un peu le pire milieu. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Hop, on va le mettre pardon, en milieu défensif hein, toujours. Et ce serait pour découvrir son niveau en... en en passe. Du coup, faudrait mettre les autres joueurs en, en défense, n'avoir que les trois attaquants plus diara, ok euh, au milieu. Bah ça peut, écoute, ça peut être une bonne idée. Vous en pensez quoi dans le chat Le chat est calme, hein, le chat s'est endormi là. <laughs> bah c'est fin de la journée pour tout le monde, hein, c'est normal, mais euh... moi je pense que ça peut être une bonne idée, clairement. Donc dans ce cas là, on repartirait finalement sur un 5, 1 3, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, qu'on avait déjà fait à l'époque aussi pour découvrir, je ne sais plus quoi, spécialement, mais... Euh... La passe en secondaire, du coup. Ouais, c'est ça, je pense qu'on partait sur buteur en primaire et secondaire passe. Hein. Ouais, c'est ça, en euh, secondaire, buteur en primaire. Et dans ce cas-là, on mettrait quand même nos plus jeunes joueurs en défense, quitte à faire, euh, quitte à, on ne sait jamais, découvrir peut-être quelque chose. Mais des défenseurs qui potentiellement puissent quand même apporter quelque chose. Hein. Donc imaginons, on va peut-être mettre lui. Euh... Tac, 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 tac. Attendez, on a quoi Diarra. Donc Diarra, ça on l'a mis, ok Kozola, buteur. Fofana. Euh... Oui, lui, on peut laisser lui, ça sera Elie et Construction. Sinare, bon, lui, il n'a rien du tout. Tac. Nyumu, ça, on le laisse là. Prunet au goal, ça, on va peut-être le remplacer. Prunet, on pourrait le mettre en défense. Bon, ça sert un peu à rien, mais on va dire c'est toujours mieux de faire ça plutôt que de rien faire. Tac. Et alors, Ouattara, euh, on le vire. Kofi, on le vire. Est-ce que c'est bien ça l'idée Oui, le gardien, bien sûr. <laughs> T'as raison. J'ai oublié le gardien. Euh, on va mettre... Euh, qui potentiellement pourrait être... Euh... Je me pose la question pour Profana, si euh, ça peut être intéressant de l'aligner en... au... au milieu aussi, euh... parce qu'on ne connaît pas son niveau de passe. Ça retarderait un peu le... la révélation pour Gnoumou ou Mais il a quand même un 6 en ailier. Euh... Je sais pas -ce, si c'est un joueur d'origine, si c'est un joueur qu'on a tiré... Euh... On l'a tiré. Il n'y a pas si longtemps, je crois. On on a a tiré. Tiré. Il y a deux, deux semaines, trois semaines peut-être. Attends, on peut regarder pour être sûr parce que je dis ça, mais euh, je t'avoue que... Mais c'est quasiment sûr qu'on l'a tiré... Euh... Ah non, on mon avis, il y a un peu plus longtemps parce qu'on l'a fait un peu partout. Non, c'est un joueur d'origine... Ah non, c'est un joueur d'origine. Eh ben, j'ai toujours cru qu'on l'avait tiré parce que... Écoute, c'est le joueur d'origine qui, franchement, à première vue, il a moins de faire quelque chose. Et il avait 15 ans et il était vraiment tout jeune. Ok, autant pour moi, j'étais persuadé qu'on l'avait tiré, mais en fait pas du tout. Ouais. Ouais, c'est rare d'avoir des joueurs d'origine avec, euh, avec des caracs euh, corrects. Clairement, et jeune, ouais. Mais euh, bon, après, au vu des étoiles qu'il fait, c'est pas non plus... Euh... Ouais, j'avoue, on l'a testé un peu partout. C'est transcendant, quoi. On ouais, on en l'a fait, on l'a testé un peu partout, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais bon. Mais il y a un potentiel lié, tu vois, y a... on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'après on n'est pas du tout là-dessus quoi pour l'instant. Euh... Ouais, je pense, je pense que ouais, il fait 3 étoiles et demie en attaquant, il doit pas avoir grand chose en, en passe. Donc, euh... on perdrait peut-être un peu de temps à, à l'aligner. On peut le mettre euh... le mettre en défense. Il prendra toujours un petit peu d'osmose au passage. Ça permettra d'essayer de... de le maxer à long terme. Ouais, clairement. Je pense qu'on peut le mettre en défense. Euh... Voilà, la place de Gilbert. Désolé Gilbert, tu ne joueras pas cette semaine, mais on t'aime bien, mais bon, c'est... voilà. Non, non, par contre Gilbert doit jouer. Ok, on peut le mettre au goal si tu veux. <laughs> c'est pas, ah pas ouais, mal, non un on met le gardien. Le gardien. Voilà. Un gardien imprévisible. C'est parfait. Est-ce qu'on l'a déjà mis en gardien C'est vrai que Gilbert, on essaie toujours de l'aligner quand même. A... C'est quand même une masque... Ouais, regarde, on... on essaie tellement de le faire aligner partout. En fait, il a déjà joué à tous les postes possibles. <laughs> on veut vraiment en faire quelque chose, mais bon, malheureusement, c'est difficile. mais... Euh... Mais ok, mais Gilbert, il On aime bien Gilbert. Il nous a fait marquer un but au dernier match. C'est vrai. Faut, faut qu'il continue comme ça. C'est vrai. <laughs> euh, défenseur, bah je crois qu'on met le reste ici dans les plus jeunes, hein, de toute façon. Euh... Et donc l'idée c'était, tu me disais, donc... De faire rentrer Dabo en fin de match, hein, c'était ça. Ouais, de faire un remplacement avec... Euh... Avec... Euh... Je devrais peut-être remplacer à la place de... Sanogo, qui est là depuis le plus longtemps et qui a peut-être un, un petit peu plus d'avance sur buteur que les autres. Après, c'est le faire rentrer à la, la 89e. Ouais, vraiment pour Ça un petit peu. Ouais. Pas, pas grand-chose. Bien sûr, c'est 1% d'entraînement en moins, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pas non plus, euh, effectivement. Euh... Sanogo qui sort et donc Dabo qui rentre. Et euh, on va mettre en normal euh, n'importe quelle situation. Ok. Euh, ah oui, et minute, 80. pardon. Oui, c'est vrai. vrai. Ouais. 89, hein, tu m'as dit. Ouais. Parfait, 89, c'est fait. Donc les ordres ont été correctement enregistrés. Euh, écoute, c'est pas moi, ça me semble pas mal en tout cas, première vue. Euh... Alors, si tu peux juste revenir sur les sur les défenseurs, juste oui. voir les caracs qui sont révélés. Si on n'a pas des joueurs, euh, enfin, des chèvres qui ont plus de caracs révélés. Alors lui, ça va. Il a 15 ans. Allez, un peu moins de 16, on va dire. Fofana aussi, 15 ans et quelques. Il a euh, voilà, on l'avait vu. Prunet, il a rien. 15 ans et un peu moins de 16. Pas dans des tigueries, un peu plus que 16, mais rien de révélé. Et euh, Bado. J'avais fait un peu attention, justement, qu'il n'y ait pas des défenses euh, 1 sur 1, tu vois, par exemple. Non, mais c'est même pas les... Enfin, leur niveau propre, c'est le nombre de caractères révélés pour essayer d'optimiser le... la possibilité d'avoir euh, des caractères qui ne sont pas révélés sur les autres, euh, qui, puissent être, euh, qui puissent être révélés, en fait. Ah, ok. Si on prend les, les remplaçants, par exemple, là, celui-là, il a que qu'un potentiel de connu, euh, Bado. Euh, ouais, oui, par exemple... On, a, on en a d'autres qui ont plus déjà de caractères révélés par exemple Sinara, effectivement lui a plus de carac révélés. Ouais. ah ça serait plus je veux dire pour dévoiler les c'est pour la carac aléatoire en fait en quelque sorte ou, euh... ouais c'est ça ouais. ok il y a toujours en fait c'est ça il y a toujours une carac aléatoire qui est dévoilée hein, de toute façon euh, sur un joueur euh, dé... enfin c'est toujours ou pas ouais je pense que c'est toujours non si j'ai pas de bêtises ouais je crois qu'il y a toujours au moins une carac aléatoire qui est, est révélée donc euh... J'essaye moi de, de garder quelques vieux joueurs qui ont pour leur enfin qui ont quasiment toutes leurs caraces révélés pour les aligner à chaque match. Okay. Ça, ça, ça optimise un petit peu à côté le, la chance que les, les plus jeunes et leur qu'on découvre les caracs des plus jeunes. Mais écoute, on a Sinare tu vois, qui a pas mal en fait de caractères déjà un peu révélés, on a Zongo aussi qui ouais. a pas mal de caraces, euh, Watara et Traoré un peu. On peut jouer avec cela tu vois, si tu veux. Ouais. Et on les ah, mettrait, j'imagine, à la place de. Par, bah, Fofana, lui, on pourrait le garder. Ouais. Et c'est ceux-là, par exemple. En fait, les trois ici, ouais, notamment. C'est ça. Ouais. Ok. Sinare. Et on a dit Watara pour Bado et Traoré pour ici. Attends. Voilà, comme ça. Ok. Comme ça, on optimise. Donc, ça donne ça, 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 ça et ça. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de caractères déjà dévoilés, en tout cas ici. On sauve déjà, hein, bien évidemment. Euh, ok, ok. On, on boit vos paroles, on nous dit dans le chat, mais voilà. <laughs> ça fait plaisir. Donc on les a pas endormis. Ouais, ça. Non, non, mais il y a toujours un moment où <laughs> ils sont... En fait, le seul moment où ils se réveillent, c'est quand on tire le jeune du centre de formation, et là c'est fini, tu vois. Donc là, ils, là, ils peuvent re retourner euh, tranquillement euh, à nous écouter. <laughs> mais on compte sur vous dans le chat, hein. ça fait plaisir d'avoir vos commentaires de temps en temps. N'hésitez pas à mettre des petites blagues de temps en temps, on vous dit aussi, bien sûr. Ok, est-ce qu'on est bien pour l'équipe de jeunes On va juste basculer l'entraînement secondaire sur, euh, sur passe Tout à fait. Genre sauve une fois. Moi je, je suis le type de personne qui va sauver plusieurs fois pour être sûr. <laughs> je sais pas si vous faites pareil aussi, mais... Donc voilà, buteur en primaire et passe en secondaire, comme convenu. Et c'est parti. Et comme ça on verra bien évidemment... Euh... On verra ça la semaine prochaine, donc ça c'est un peu le... à suivre en tout cas. Comment va Z, on nous demande mais Z va bien, normalement. Je ne sais pas s'il nous entend. Je... Oui, je suis là. Je... Enfin, comme je dis, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vous écoute, en tout cas. Pas souci... Non, pas de soucis. Les gens sont inquiétés, parce qu'à un moment, on a voulu lancer un sondage. Finalement, j'ai lancé moi-même. Ça a été... Il n'y a pas eu de souci, hein, bien évidemment, mais... Mais, euh... non, non, mais... Je suis là, je suis là. Je regarde, je vous écoute, et je jette un œil. de temps en temps sur le match de GD Vins. OK. Pas de, Vince, pas de but... Euh... Non, malheureusement... J'avais oublié mon match. Ah. Okay, ben, je, je jette un oeil en espérant qu ait, que, ça, que la tendance s'inverse. Il manque pas un joueur. Si, en fait, Toda Jam, il manque un joueur, mais euh, c'est fait exprès, en fait. En fait, on peut, tu vois, il y a des cas de figure, euh, comme celui-là, par exemple. Il euh, y a des cas de figure où tu peux, en fait... C'est quoi ces minimum 8 joueurs sur le terrain 7-8, j'ai un doute. Et 8 minimum, ouais. 8 minimum. Et en fait, ça, ça peut, parfois, ça peut te permettre, en fait, de découvrir quelque chose. Euh, euh, imaginons bah, un exemple tout bête, as, euh, tu veux absolument trouver la construction d'un de, des milieux de terrain, sauf que tu n'as aucun autre joueur qui a déjà de la construction potentielle ou primaire, on va dire, et bien bah, tu peux mettre qu'un seul milieu pour être sûr de découvrir la construction de joueur-là. tu vois. Et nous on a fait ça pour découvrir euh, la passe de Diara, c'est ça ouais, Le de potentiel. Diara ou de, ou de Gnubu, ouais, effectivement. Ah ouais, ouais, le potentiel, effectivement. Donc en fait on va dire c'est fait exprès que ça ne soit pas l'équipe au complet. Là c'est vraiment pour se focaliser sur, euh, sur, euh, sur les caractéristiques. Et donc voilà, tout simplement. Donc tu peux faire ça, tu peux jouer avec ça en tout cas bien sûr. Euh, même beaucoup de gens le font hein, dans... Enfin voilà, suivant les cas de figure, tu vois. Et là dans ce cas de figure, on a besoin de faire ça. Donc, euh, donc ça, il n'y a pas de souci. Sachant que bien évidemment, chez les jeunes... On joue pas vraiment pour gagner, même ça fait plaisir hein, bien évidemment d'avoir une bonne équipe de jeunes, je dis pas c'est chouette et tout. Hein, c et chacun joue comme il veut, parce que je pense qu'il y a des gens qui jouent vraiment avec les équipes de jeunes, donc pour cela bien sûr ils peuvent le jouer. Nous, dans notre cas de figure, on joue vraiment pour euh, découvrir les caractéristiques et essayer de les former au mieux pour, pour les seniors plus tard, quoi. Donc euh, voilà. Ok, donc voilà, en tout cas, déjà pour la composition. Euh, c'est parfait. Et, euh, et là on peut passer chez les seniors, je pense. Oui, je pense. Ouais, euh, le dernier match amical, c'est assez récent. Il n'y a, a pas de match amical à programmer Alors, si, si, si. En fait, j'explique. C'est bien que tu en parles et on va faire ça là maintenant. Euh, finalement, j'ai programmé un match amical euh, dans l'urgence hier soir, je pense. Et euh, ce qui est bien, c'est qu'avec le 10 FC, j'ai toujours plein de demandes amicales, mais c'était les, les chasseurs de drapeaux. En fait, j'imagine que tu as ça aussi, toi, non euh, Ouais. Ouais, c'est le, ça Les seniors pour les seniors, ouais, tout à fait, pour les seniors. Ouais. Ah, tu parlais des juniors, pardon. Okay, ouais, parti. je ne sais plus quand ça a été joué, le, le dernier amical. Ah, attends, on va regarder ça, t'as raison. On passera sur les seniors après, t'as raison, j'étais parti sur les seniors. Mais euh, on reparlera des matchs amicaux seniors aussi, parce qu'il faudra qu'on en programme un, d'ailleurs, avec euh, quelqu'un dans le chat, d'ailleurs, mais vous allez voir. Euh, on peut faire un défi, effectivement. C'est-à-dire que c'était il y a trois semaines qu'on a fait le dernier défi, parce que c'est assez nouveau, ça, je pense, ce défi. Donc euh, oui, on peut créer le défi, ça permettrait de pouvoir faire euh, un autre amical. Heure de départ, on va prendre le plus tôt, hein, je pense. Enfin, le jour de départ. Heure. En général, je m'ajoute me... sur la liste. Oui, c'est vrai qu'en fait, on peut faire ça, c'est plus simple. Plus peu importe. Pays, on met n'importe. Moi, je mets peu importe souvent, toi aussi, j'imagine. Ouais. Enfin, ça dépend. Euh... Règle, de cou... Règle de coupe, ça change. Pas grand-chose. Mais... Ouais. Qu'on n'optimise pas les compos. Il y a peu de chances qu'on qu aille en prolongation, mais on sait jamais. Ok, on met comme ça, Laurent, c'est ça Ouais. Parfait. On ajoute, et puis on verra quand ça va être programmé. Limite, on pourra peut-être faire la compo. En fait, c'est jamais évident parce que... Ouais, c'est ça, ça sera un peu... on fera ça par après, en fait, dans ce cas-là. Ça marche. Euh, pour... Ouais, pour les amicaux. Donc on va repasser chez les seniors, pour les amicaux. Euh... En fait, on doit faire un match amical contre... Bah, c'était contre Todajam, justement, d'ailleurs, qui est dans le chat, c'est ça Et en fait, et je comprends, et c'est normal, en fait, euh, on f... nous on, a, on faisait les tirages au sort un peu tard, en fait, c'est le dimanche ou le lundi. Là, je crois qu'on avait communiqué le lundi sur le tirage au sort, et forcément, le lundi, les gens ont déjà programmé leurs amicaux, et c'est normal, tu vois. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une grosse erreur de faire ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé un match amical dans l'urgence hier soir, parce qu'il fallait absolument un match amical. Donc ça a été euh, créé... Euh... Contre une équipe que j'ai pu choisir euh, parce que euh, en Burkina on a euh, des centaines de demandes en fait euh, par semaine parce que tout le monde doit avoir les drapeaux donc ça c'est cool. Donc ça que je te demandais, tu as aussi beaucoup de demandes hein, j'imagine pour les drapeaux euh, pour ton équipe sénégalaise Ouais bah j'ai reçu une demande de, de Polac il euh, euh, me sollicitait pour le drapeau donc euh, j'ai accepté pour, euh, pour la semaine prochaine euh, en match aller-retour, donc comme ça il aura voilà, le drapeau pour euh, pour, euh, match à domicile et match à extérieur trop bien parfait bah c'est cool et euh, ouais c'est ça et euh, et, euh, et en gros donc voilà j'ai pu accepter ça vite fait mais en fait ce qu'on va faire c'est que normalement euh, demain parce que je crois que les matchs amicaux c'est à partir de demain qu'on peut les programmer si j'ai pas de bêtises c'est pas ce soir euh, euh, matchs amicaux internationaux ouais c'est à partir du jeudi ouais voilà on peut pas la maintenant donc on fera ça demain donc demain en fait euh, on va affronter l'équipe de Todajam qu'on aurait dû affronter cette semaine, mais bon voilà, c'est normal ce qui s'est passé et on ne lui en veut pas du tout, euh, vraiment pas. Et donc en fait, on va le défier pour la semaine prochaine. Et ouais. la semaine Oui. si tu veux ne pas être trop embêté avec les sollicitations, tu peux décocher dans les préférences à droite. Euh... Accepter d'être défié pour des matchs amicaux Eh bah bien, écoute, en fait, je vais le faire, je pense. Non, mais t'as raison. Parce que, en fait, le problème qu'il y a, tu vois, c'est même pas spécialement d'être, euh, d'avoir les notifs. Là, là j'ai plus les notifs parce que j'ai accepté un match amical, mais tu sais, normalement, t'as les notifications. Ça, ça va, tu vois. Mais limite, sur le téléphone, t'as les notifs aussi tout le temps. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Mais en fait, le plus embêtant, ouais. c'est surtout de recevoir des HTML des gens. Parce que, tu ils te défient. Et comme je réponds pas et que je commence pas à annuler. Mais bah en fait, je reçois parfois, par semaine des dizaines d'HTML de, de gens qui me disent Ouais, mais allez, défie-moi, s'il te plaît, défie-moi pour avoir le drapeau et tout. Et en fait, j'ai fait un message en anglais que je fais un copier-coller, par politesse, pour dire Ah, désolé, c'est un club oui. communautaire, on fait ça entre. Enfin, on remercie les gens de la communauté, donc désolé, euh, j'espère que vous trouverez un drapeau chez quelqu'un d'autre. Allez chez Vins, tu vois. <laughs> non, je ne pas, du tout. Envoie <laughs> un HTML à Grand Vince, pardon, je dis Vins à chaque fois, désolé. Ouais, je vais avoir du mal avec le pseudo, je suis désolé, hein, parce que j'ai tellement l'habitude de dire GD non non pas du tout. On, te, on se redirige pas vers toi mais en gros tu vois c'est un, un copier coller tout le temps machin. Donc t'as raison. Je vais faire ça en fait. On va euh, décocher tout. Mais ça permettra de un peu souffler. Parce que les HTML entre tu vois entre les demandes de drapeau, les contacter pour les émissions, les trucs et tout. À un moment enfin tu reçois des mails pour rien et c'est un peu embêtant quoi. Même si euh, je comprends les gens qui veulent le drapeau. Hein, ça bien évidemment mais bon. Nous c'est pas le but on va dire du club. Ok parfait. Donc Ça c'est décoché déjà. Et donc semaine prochaine match contre Todajam. Et semaine prochaine, on fera le tirage au sort en direct pour savoir qui sera la, première, la prochaine personne à avoir le match amical. Comme ça, ça va être sympa. Je sais pas, je crois que c'était toi ou Chef Lindois, enfin quelqu'un qui a proposé ça dans le chat. Et je trouvais que c'était une super idée de faire le tirage au sort en direct le mercredi, en fait, pour le mercredi d'après. Ouais, c'est pas mal comme ça. Dès le lendemain, tu peux le, tu peux le caler. Et... Ouais. Et puis il y a un côté un peu marrant. Bien. Ouais, il y a un côté un peu ouais. marrant aussi. C'est Chef Lindois, c'est bien ça, ok. Il y a un côté un peu marrant et interactif de justement faire le tirage au sort. Il y a un site tout fait où tu vois, ça un tire au sort automatiquement et c'est assez cool en fait. Donc c'était une bonne idée, chef l'Indo, en tout cas. On va, faire ça, on va mettre ça en place, mais bon, le temps de, de mettre un peu le roulement, ça sera la semaine prochaine qu'on fera le tirage au sort en tout cas. Parfait. Donc les seniors, qu'est-ce que ça donne les seniors Alors, euh, bah, en poule, je te cache pas que toi-même tu sais que, que c'est les bottes de toute façon. Enfin, il y a plus de bottes que. Ah non, il y a plus. Non, c'est moitié-moitié, pardon. Il y a moitié d'équipe, moitié de bottes. Donc, on réaffronte un bot la semaine prochaine. Je vois que toi aussi, d'ailleurs. Ouais, moi je sors de la double confrontation contre euh, les Raptors. Qui, pour la petite anecdote, euh, le propriétaire a deux équipes au Burkina. Et on, on a tiré la bonne. Enfin, la, la, la plus faible de, des deux. Okay. Il était en demi-finale de coupe euh, avec son autre équipe. Et, et il envoie du lourd. Il, était, il aurait dû passer en finale, mais il s'est fait voler. Est-ce que c'est lui qui a, il a créé une coupe amicale, je pense, euh, un tournoi C'est lui, hein, je crois. Euh, attends, je regarde, je dis pas de bêtises, j'ai cru que c'était lui. Ah euh, oui, ITZ, Venom, tu as été invité aussi, je pense, dans un tournoi amical oui. pour toutes les équipes du Burkina Faso Est-ce que tu as accepté Ouais, je m'y suis inscrit. Ok. J'ai euh, euh, révélé mes caracs euh, et mes, mes meilleurs compos avant le, le match contre le Dicredit FC. <laughs> C'est parfait, c'est très bien. Non, tu vois, moi, en fait, j'ai hésité et en fait, je l'ai pas accepté. Et c'est plus parce que y a, tu vois, il y a le côté communautaire. Et donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment faire les compos aussi de ça, etc. Donc, j'ai pas accepté. Mais je trouve que l'initiative est quand même très sympa. C'est quand même sympa, en tout cas. Ok. Euh... Donc, toi, as... déjà, ça, c'est pas mal. Tu as réussi ta double confrontation. Ça, c'est cool. C'est quand tes prochains matchs importants C'est vrai qu'on peut regarder quand même un petit peu euh, rapidement. En fait, je ne pas faire comme ça. Attends, pardon. Désolé, je reviens. Sur la poule, on fait calendrier des matchs, et comme ça, on verra un petit peu. Ouais. Donc, nous, de toute façon, on l'a dit, hein, je vais le remettre ici, c'est les trois derniers matchs, de toute façon. US Miloa, qui est deuxième, euh, toi, qui est premier, euh, la treizième journée, et dernière journée, les Burkina Faso Raptor. Mais avant tout ça, qu'est-ce que nous avons Donc, la semaine prochaine, toi, tu affrontes Rambo Faso, un bot. qui est aussi un bot, ouais. Tout à... tout à fait. Oui, oui, tout à fait, pardon, j'ai buggé. Ok. Et... Après... J'ai plus que les deux, les deux derniers matchs, en fait. Jusque-là, c'est des bots. Et... Ah oui. Et après, uh, Dick et, et O.A. Uh, ah, en fait, Et, et le, le calendrier, il est compliqué aussi pour toi. Enfin, compliqué, oui et non, mais en fait, tout va se jouer vraiment à la fin, en fait, le championnat. Parce que tu affrontes le deuxième et nous. Nous, on t'affronte toi fait, et le deuxième. Euh... Enfin, Ce qui est compliqué, c'est. Enfin, pour moi, ça peut simplifier la donne. C'est que pour que vous remontiez. Euh... Que vous battiez Miloa mmh. et si vous battez Miloa, ben, j'aurai un peu de marge pour, euh, pour la fin. C'est vrai que euh, je, je reprends un peu d'avance sur Miloa et puis bah, il ouais, suffit de ne pas perdre contre le dit crédit et c'est plié. Ouais clairement. Et en plus, non, mais tu as raison, mais même en plus, même si tu perds contre nous, imaginons tout se passe bien, tu vois, ça peut arriver et tout ça, tout se passe bien, même si tu perds contre nous. Il y a quand même un goal average qui est énorme, hein, je crois, au niveau de différence. Hein. Toi, t'es à plus 29 et nous, on est à plus 15, donc euh, tu vois, ça, même si on te battait, euh, pour l'instant, euh, on est loin, en tout cas, de pouvoir te passer devant. Donc, euh... Bon, on verra, on verra on n'y est pas encore. Peut-être qu'on doit réfléchir à faire des compos plus offensifs dans les matchs amicaux, mais c'est pas à toi que je vais dire ça, tu vois, c'est un peu bizarre, là, finalement. Tu vois mais bon, on verra tout ça. Euh... Au niveau des matchs amicaux, je pense que tu avais suivi. Hein, on a commencé à travailler un peu les routines pour te surprendre justement en fin de saison. <laughs> c'est bizarre de dire ça, tu vois. Bon, bref, on était parti sur du 5-4-1. Donc là, bon, on n'est pas vraiment sur euh, marquer des buts à tout prix. Mais euh, on voulait faire monter un peu le 5-4-1. Et je pense que c'est une bonne idée peut-être de continuer ça. Enfin, je sais pas ce que toi, t'en penses en tout cas par rapport à l'entraînement. Euh... Bah oui, avec l'entraînement le, gardien, il y a la possibilité dans les compos. Donc, il n'y a pas de. De compo à exclure à la différence d'autres entraînements. Euh, bah oui, 5-4-1, c'est bien défensif euh, en ayant le, le 4-4-2 à côté qui peut permettre aussi de de tenter une contre-attaque euh, également. Ça, ça me paraît cohérent. Ouais. Clairement. Après, il reste quand même euh, il reste trois matchs contre des, des bots. Il y a aussi possibilité de. De maintenir les autres routines et peut-être d'aller chercher une euh, cinquième routine pour, pour, les, pour les trois derniers matchs. Clairement, le but est d'être imprévisible quand on va t'affronter d'ailleurs, enfin euh, toi ou les autres, bien évidemment les autres équipes humaines en tout cas. Euh, vous pouvez voir sur l'écran aussi ce que ça donnait le dernier entraînement, comme ça vous voyez euh, au niveau endurance, forme, etc. Donc on retrouve un peu de la forme chez nos joueurs, ça fait plaisir. De toute façon... On se plaint qu'ils sont pas en forme, mais du moment qu'ils retrouvent leur forme pour les trois derniers matchs, nous ça nous va hein, finalement. On... Ou continuer de monter le 4-5-1, nous dit Popette. Mais je pense que ça serait un peu l'idée ce soir, enfin ce soir euh, aujourd'hui en tout cas, ça serait de, à mon avis, de continuer le 5-4-1. On pourrait partir sur une compo plus ou moins similaire à ce qu'on avait fait la... la semaine dernière à mon avis, qui était. Qu il faut finir le, finir le 5-4-1 et puis euh... et puis après oui. Il sera important d'éventuellement monter une euh, cinquième, euh, cinquième compo. Clairement, clairement. Une, je suis en train de me dire peut-être une compo plus offensive, parce que finalement, on se plaint d'avoir un goal avérage un peu moyen, et c'est vrai qu'on là, on monte des compos défensives. Mais en même temps, il faut aussi des compos défensives, éventuellement, on ne sait pas les cas de figure, donc c'est... Euh... Mais il faut finir le boulot comme la pré popette, je pense aussi bien évidemment, de toute façon là on ne peut pas tout révolutionner euh, ce soir. Mais donc voilà, au niveau des matchs euh, bah donc pour l'amical, ça on, fait, on fera ça euh, par la suite parce que malheureusement c'est vrai que l'amical on peut le prévoir à partir de demain. Ou au pire on peut faire avec les compos aussi par, euh, par défaut. Et, euh, et donc contre le bot, le RCS. Euh, voilà. Attendez, on va juste mettre la compo précédente, comme ça on a déjà une idée de ce qu'on avait. Ah oui, c'était en match amical qu'on a fait le 5-4-1, autant pour moi et pas en championnat. En championnat, on était parti sur quoi déjà Ah oui, le 4-4-2. Attendez, pourquoi est-ce qu'on a fait un 4-4-2 Je suis un peu perdu là, mais oui, c'est vrai qu'on a fait un 4-4-2 avec Darcel, ok. Pour le maintenir probablement. Oui, c'est possible, c'est possible qu'il a peut-être baissé. Peu, je pense. Ouais ça doit être ça, ça, doit être ça. et c'est pour ça qu'on a fait le 5-4-1 en, en match amical. Ok, est-ce que là je pense qu'on peut aller directement en 5-4-1 de toute façon euh, contre le bot. Ça dépend peut-être de, de quel bot, euh, enfin la compo de, habituelle du bot. En fait le bot qu'on va affronter, ouais il joue en 3-4-3 avec des notes, ouais. Euh, pardon, ça c'était un derby, attends, on va le prendre quand même... Nous, on est on est à domicile, donc on va le prendre à l'extérieur, comme ça on aura quand même des notes un peu... Bon, voilà, il y a 3,5 au milieu, 4,5,4 4 et 5,5,3 en défense. Ouais, il doit jouer avec deux défenseurs centraux et un latéral, je pense, pour avoir un 3,5 à... à gauche. Euh, on peut voir ce que ça donne en 5,4,1, et puis, et puis euh, voir si les notes d'attaque sont... Ouais, on peut regarder ça. Euh, J'entends un petit peu moins bien, comme ça tu sais, hein, c'est un peu moins fort. peut-être Je sais pas si t'as reculé un ouais. peu le micro, mais. Euh... Ok, je vais parler un peu plus fort. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Là, là c'est tip top, tip top. Mais comme ça tu sais, je, je pense aux gens qui nous écoutent aussi. Euh... Euh, 4-4-2 offensif, nous dit Chef Lindoua. Euh... Que tu voudrais qu'on joue ou qu'on qu a fait la dernière fois, tu veux dire Attends, on va regarder en tout cas avec le 5-4-1. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu Traoré qui était blessé, c'est vrai. On a eu un blessé. Euh, Traoré, une semaine de blessure, notre défenseur. On va mettre un autre défenseur pour voir. Bah, on va mettre... Suisse. Non, c'était pas lui. Attendez. On va regarder au niveau des défenseurs. Qu'est-ce qu'on avait euh, Ah oui, il y a Delvaux, ça c'est un peu notre, euh, notre euh, gros défenseur. Ah oui, mais non, je suis bête, pardon. Là c'est la compo du match amical. Donc de toute façon, on doit refaire un 4-5-1, un peu correct en tout cas pour, euh, pour que ça donne quelque chose. Je pense qu'en partir sur une compo vide, ça sera beaucoup plus simple. Donc au niveau du gardien, euh, on est d'accord, on met quand même notre meilleur gardien parce que, enfin euh, le plus jeune en tout cas, parce que ça donne de l'XP. Donc on partait toujours sur cette euh, théorie là en tout cas. Pareil. Le euh, match de, de championnat, l'aile. Attends, ce que je suis en train de réfléchir, parce que je crois. En fait, chef Lindois, il y a un truc qui me titille, tu vois. Et je suis en train de douter aussi. Et c'est bien parce que je vois que chef Lindois, il donne une explication. Non, il faut mettre des buts sur une 3-4-3. Le 4-4-2, c'est cool. En fait, il y a un côté où je suis d'accord avec toi, chef Lindois, c'est que je me dis, on monte les tactiques, c'est chouette. Mais peut-être qu'on pourrait faire ça en match amical et que là, contre les Bottes, il faudrait vraiment qu'on marque des buts parce que euh, on a une différence de but euh, par rapport à ton équipe, hein, euh, euh, Grand Vins, qui est genre trop élevé Et peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on essaye de rattraper un peu le coup et de marquer plus de buts. Je trouve que L'idée n'est pas bête parce que euh, le, notre goal à verrage n'est pas incroyable. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit sondage, peut-être, pour voir ce qu'en pensent les gens Donc, en gros, quoi qu'il arrive, on montera le 5-4-1 au, au match amical, ça, c'est sûr, à 100%. Mais est-ce qu'on fait le 5-4-1 en match de championnat là maintenant, ou est-ce qu'on part sur un 4-4-2 éventuellement Il reste pas mal de temps, donc je pense que le 5-4-1 peut être monté en amical, effectivement, quitte à. C'est ça le 4-4-2 est déjà formidable. On peut même envisager de, de commencer le match en 3-4-3. Aussi, c'est vrai. Même, même si la routine est médiocre et de, de rebasculer en, en 4-4-2 euh, au bout de, de 20-30 minutes. Euh, on l'aura déjà, déjà un petit peu monté. Et ben, tu sais ce qu'on va faire Tu sais ce qu'on va faire On va faire un sondage avec les gens. Est-ce que est, tu es là ou est-ce que je fais le sondage je, je vous laisse faire. Je suis désolé, mais malheureusement, je ne. Le sondage dans eh bien, pas de souci. je vais créer un sondage. Et eh bien ce sondage, tu me dis ce que tu en penses, Grand Vince, c'est quelle tactique est-ce qu'on va utiliser Et on met les 4 tactiques qu'on a actuellement, tu vois. 5-4-1, 4-4-2, 3-5-2, 2-5-3. Et les gens voteront. Je pense que ça peut être une bonne idée, non Allez, c'est parti. Alors attention, question, euh, quelle tactique en championnat Je précise que c'est bien en championnat, sachant qu'en match amical, de toute façon, euh, on fera le 5-4-1. Donc voilà. Donc, on part sur. Euh, J'ai dit quoi J'ai dit 5-4-1. Est-ce qu'on part sur euh, 4-4-2 Est-ce qu'on part sur euh, 3-5-2 Est-ce qu'on part sur euh, 2-5-3 C'est les seules tactiques qu'on a de toute façon de plus ou moins correctes. Et durer 3 minutes, c'est parti. A vous de voter euh, quelle tactique on va faire. De toute façon, c'est un club communautaire, donc euh, il faut votre avis. Euh, oui, il faut marquer, on est hyper loin. Pas les tactiques à neuf. Ah, Chef Lindois, tu voudrais. Attends, 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 attends. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Attendez, attendez, attendez. Mais c'est compliqué. En fait, on est limité en nombre de propositions de sondage. Donc. Euh... En fait, je crois que Chef Lindois, il veut peut-être qu'on monte une tactique. Mais bon, là, comme c'est en championnat, est-ce que t'es sûr que ça vaut le coup Moi, j'ai fait des matchs avec une tactique faible contre les bots au début. Il n'y a pas. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de risques quand même euh, quelques, quelques bons joueurs dès le départ, il n'y a pas de, de match de coupe à côté donc okay. On les faisant jouer 30 minutes euh, on a déjà un tout petit peu la tactique. Et eh ben, vous savez quoi Ce qu'on peut faire, là on fait un premier sondage avec quatre tactiques, OK On fera un deuxième sondage avec quatre autres tactiques et après on, a, on affrontera les deux gagnants des, des tactiques ensemble. Ça vous c'est une sorte de demi-finale et finale des tactiques. Là, on met d'abord toutes les tactiques qu'on a optimisées. Après, on mettra quatre tactiques qu'on n'a pas optimisées et après, on fera le sondage final et comme ça, on choisira comme ça et euh, les gens auront voté. Je pense que c'est pas mal. C'est un bon compromis, non Finalement Ouais, je suis d'accord. Et comme ça, les gens dans le chat pourront vraiment choisir. Toi, tu préfères. Est-ce que tu as une préférence sans spécialement influencer Mais est-ce que toi, bah, les gens ont déjà voté de toute façon Donc ça va. Est-ce que tu auras une préférence, toi Bah, je serais plutôt ton à Fairwell 2-5-3 pour, euh, pour maximiser les, les notes d'attaque. Mm -hmm. Ce qui permettrait de. De rebasculer sur un 3-4-3, sur 4-4-2 en fin de match pour, pour maintenir la, la routine aussi sur le 4-4-2. Bah écoute, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de se diriger sur le 2-5-3, même si le 3-5-2 est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Donc pour l'instant, ça donne 3 votes pour le 3-5-2, 5 votes pour le 2-5-3. Mais ne vous en faites pas, on fera aussi les autres tactiques après, et après, on fera un dernier vote de 2 minutes, enfin un vote un peu plus rapide. Pour justement, euh, laquelle euh, entre ces deux tactiques qui ont gagné, laquelle est-ce qu'on va faire? Donc, euh, ne vous en faites pas, chef doigt, on t'a entendu, on t'écoute et c'est normal, on est un club communautaire. Donc, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on mettrait? On, on peut en mettre quatre de tactiques, donc je pense qu'on mettra pas 5-5-0, ça sert à rien. J'imagine qu'on mettra par exemple, euh... quelle tactique est-ce qu'on peut vouloir monter? C'est pas évident, hein. peut-être 4-5-1, 4-3-3, 3-4-3, ça, ça a l'air pas mal, et 5-3-2, peut-être, je sais pas. Ouais on laisse tomber le 5-2-3. 5-2-3 c'est assez compliqué, c'est j'ai souvent vu euh, dire que le 5-3-2 était plus efficace euh, avec moins de okay, ouais. moins de euh, malus de surpopulation. Même si j'ai plus souvent joué le 5-2-3 que le 5-3-2. Mais parce que j'entraînais buteur. Attends, je peux peut-être mettre 5 votes, attends. Après ce sondage-là, on va regarder. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il gagne C'est ah bah 2-2-5-3, ok. 2-5-3, donc on met ça de côté. Ok, premier vote qui est effectué. Attention, deuxième vote, ça va s'enchaîner. Euh, je vais mettre ça sur l'autre écran, ça va être beaucoup plus simple. Euh, nouveau sondage. Quelle autre tactique <laughs> Hop, tac-tac-tac-tac, quelle autre tactique Ah oui, minimum 2, maximum 5. Attendez, on peut mettre... Attendez, 5-3-2. On va voir si ça me va, ça. 5-2-3. 4, 5, 1. 4, 3, 3. Et 3, 4, 3. Est-ce que ça marche Je vais mettre 2 minutes au lieu de 3, parce que 3 c'est peut-être un peu long. Commencez le sondage. Attention. C'est parti. Et ça marche. Ok, on peut en mettre 5. Pardon. Autant pour moi. J'ai pas l'habitude de faire les sondages. C'est vrai que c'est souvent Z qui est fait. Malheureusement, sinon, pendant que tu fais le sondage, on jouera quand même les scores un petit peu. Euh, L'équipe Jou BF en face des étalons bretons vient de mettre un troisième but. Je suis aie vraiment aie 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 désolé, aie aie Vince. C'est pas grave, c'était déjà plié donc. Après, franchement, c'est une finale. Enfin, c'est bravo déjà d'être arrivé en finale, tu vois, quoi qu'il arrive, c'est quand même déjà euh... c'est sympa quoi franchement. Euh... Mon adversaire jouait deux finales de Saphir aujourd'hui. Ah oui c'est vrai. Ouais, il jouait une finale dans un, un autre pays à Grenade. À Grenada. Ah oui, ok, ouais, donc un joueur assez expérimenté quoi finalement. Ça. Ouais. Qui fait pas mal de, pas mal de trades aussi, donc... ça fait la différence assez rapidement. Euh, Chef Lando qui dit marche pas ce soir le vote sur mon smartphone, il aurait voté euh, 2-5-3. Z, si tu peux mettre peut-être... Euh... Bah, attends, il n'y a pas 2-5-3. 2-5-3 peut pas voter là, sinon 3-4-3. Ah non, 3-4-3. Z, si tu peux voter 3-4-3. Oh, tu quoi oh, bah, Ouais, ou si tu peux le faire, Z, si tu m'entends, tu mets 3-4-3 euh, dans le sondage. Non, mais... oui, non, là, je, non, je suis désolé, je ne suis pas sur l'écran de, de Twitch, désolé. Bah, de toute façon, entre nous, c'est euh... le 3-4-3 qui l'emporte. Enfin, c'est quasiment sûr, pardon. Donc, ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, je pense qu'on euh, a autant de votants qu'on a eu tout à l'heure et le 3-4-3 a 5 votes. Euh, un vote pour le 4-5-1 et un vote pour le 5-3-2. On l'a fait tout à l'heure, le 2-5-3. Ah oui, c'est ça, pardon. Oui, oui, c'était pour le vote de tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, c'est le 2-5-3 qui l'a emporté tout à l'heure, justement. Donc, je pense qu'on va aller sur une finale, attention. Bon, c'est un, un, un long sondage, désolé, mais c'est parce qu'en en fait, effectivement, on ne pouvait pas mettre toutes les tactiques. Mais au moins, euh, là on aura vraiment quelque chose de... de final. Et donc on va faire le vote final. On attend juste que ça se termine quand même. Hein. Comme ça c'est... Euh... Comme ça c'est fait. Au cas où, il y aurait 10 personnes qui voteraient d'un coup. Mais je ne pense pas que ça soit le cas. Voilà, c'est donc bien le 3-4-3. Et donc, on enchaîne sur un nouveau sondage. Et qui dira... Et finalement, la tactique. <laughs> tu vois, là on ne peut pas dire qu'on ne propose pas aux gens. Franchement. Euh... Et finalement, la tactique, est-ce que c'est le 2-5-3 ou le 3-4-3 Et vous avez deux minutes pour voter. Et là, on fera la tactique et on adaptera la tactique. Ce qui est bien, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est quand même deux compos offensives. Il y en a une qu'on maîtrise, une qu'on ne maîtrise pas. Mais au moins, c'est des. Enfin, qu'on ne maîtrise pas entre guillemets. Je veux dire qu'il n'y a pas la routine qui est montée. Donc, est-ce qu'on joue la sécurité On fait une euh, tactique sur laquelle on a déjà la routine. Et euh, ou pas Chef Lindois, dis-moi pourquoi tu votes et euh, je voterai pour toi si tu veux. 3-4-3, 3 4, 3 c'est euh, 3, 3, de maintenant qui vient d'écrire ça, je pense. Ouais. Donc on va mettre 3-4-3. Ok. Je vote pour 3 toi, 3 Je vote pour toi 3-4-3. Qui euh, franchement est bien parti pour l'emporter. 5 votes pour 3-4-3 et 1 vote pour 2-5-3. Euh, ok, ok. Écoutez, je pense que c'est bon. On va déjà aller dans la compo senior. Donc 3-4-3, c'est une qu'on n'a pas montée, on est d'accord. Oui, c'est ça. C'est une qui est un médiocre. Très bien. Et le but c'est de marquer des buts de toute façon. Donc euh, on va mettre euh, voilà, une tactique en 3-4-3 contre le bot. J'y vais déjà, mais bon, c'est pas encore fini le vote. Hein. On pourra adapter bien évidemment si le résultat change d'ici là. Mais entre nous, c'est quand même 6 votes pour le 3-4-3 et 2 votes pour le 2-5-3. Moi j'ai fait nul sur une routine honorable contre un bot et j'ai fini deuxième à cause de ce match. Aïe. Nous, on a fait aussi match nu contre un bot d'ailleurs. Euh, et on pourrait finir deuxième aussi. Donc euh, attention, <laughs> c'est dangereux. Mais bon, on va aller sur un 3-4-3. Est-ce que tu es prêt, Grand Vince, de travailler ce 3-4-3 Allez, c'est parti. C'est parti. Hein. Donc le gardien, donc, la théorie d'avant, bien évidemment, c'est qu'on va mettre Bouchelal en gardien, ça c'est sûr. Et Rabier en euh, En remplaçant. En remplaçant. Au niveau des défenseurs, alors on a, en fait on a Delvaux, ah qui a repris de la forme. Je crois qu'il était très bas en forme, mais donc là il est un peu remonté, ça c'est cool. On peut déjà mettre ici quand même de toute façon. Boucherie, c'est notre ailier. Euh, est-ce que je mets notre meilleur compo ou pas Parce que est-ce qu'on fait attention aux joueurs Non, là c'est pas si grave, ça change rien. De toute façon ils doivent quand même jouer, ils prennent l'expérience. Ouais, je pense qu'il faut mettre les meilleurs euh, parce que comme clairement. Comme disais, il y a un peu le virage à rattraper. Donc... Ne vous en faites pas dans le chat si vous dites non, mais pas, mais pas les meilleurs, tu vas montrer les notes à, à, à Grand Vince. Le but, c'est de toute façon c'est d'être imprévisible quand on va l'affronter. Donc, euh, donc même, même si tu as les notes actuellement, tu sais pas si on sera en 3-4-3, 2-5-3. Tout comme nous, ça va être pareil pour toi, j'imagine aussi. Hein, donc, euh, Damo sur le côté, ok. Je regarde juste vite fait, ok. 3-4-3, euh, Nadia. On, hein. on joue contre la même compo. Ouais, mais la note, elle va être, elle va être pas mal, quoi. Euh, alors là, on a tous les milieux qui ont une endurance ultra faible. Comme les miens. Ouais, c'est ça, les gros milieux, tu vois, qu'on a pris. Mais là, on sent vraiment genre ciné tu vois. Autant il a la forme, alors lui il a la forme, mais niveau euh, niveau endurance, mais on les remplacera, je pense, euh, à la 60 soixantième ou un truc dans ce style. Quoi qu'après, tu vas me dire, on n'est pas obligé de mettre tous les milieux. Euh, on en... peut peut-être mettre deux milieux vu qu'on joue à domicile. Ah oui, et pardon, on est sur un 3-4-3, pardon, autant pour moi, tu vois, j'étais déjà. Oui, mais non, c'est vrai. Euh, moi, je pense qu'on peut même mettre Bonnie, tu vois, à la place d'un des mieux, pour pas spécialement devoir le remplacer. Si on met Bonnie, ça donne quoi Ça reste quand même pas mal contre le bot. Dis-moi, parce que, ouais, dis-moi, parce qu'il faut pas que je fasse la compo, tout ça, bien évidemment, mais euh, est-ce qu'on met quand même, tu vois, donc en fait, en gros, on a Rotilène, 37 ans, tu vois, il a pas beaucoup d'endurance En fait, ou alors on met Rotilène et on le remplace par Ciné. Ou on met un autre genre Bonnie, tu vois. En fait, c'est un peu pareil, quoi. Mais. J'aurais mieux Routilène pour sa note de passe. Ouais. Et, si... Et on le remplacera par Ciné, j'imagine. Euh... Ouais. À la 60e, ok. Et alors, sur les ailes, on va mettre. Euh... On a Traoré, effectivement. Ah non, il est, il est Traoré, il est suspendu. Donc, on ne mettra pas Traoré. Ok. Autant pour moi. Euh, Caboré, ça, c'est pas mal. La Misana. Euh, Tairou c'est plutôt dans les buteurs hein, donc je pense on va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne, on pourra adapter après bien évidemment. Hein. Et au niveau des buteurs, euh, on a donc Ploug qui alors n'est pas en forme et en endurance médiocre. On a Taïrou, tabo, pendant des tigueries Si on met ces deux là ça donne quoi déjà pas la fête dans Ouais ouais c'est <laughs> Franchement c'est pas la fête au niveau. Hein. Bon, mon état en titulaire ce soir était à quatre en forme 4 et endurance 4 pas terrible non plus ouais moi j'aurais mis Plug. Hein. bon on va quand même le mettre de toute façon oui le but c'est quand même de marquer euh, euh, plug à la place de euh, attends juste pour pas faire de bêtises en, en troisième attaquant ah oui c'est vrai 3-4 euh, qu'est-ce que je... mais en fait as raison j'ai tellement l'habitude d'avoir deux attaquants tu vois que ça rentre pas dans ma tête effectivement le troisième bon déjà on va voir au niveau des notes ce que ça donne ok analyse contre notre adversaire qui joue à l'extérieur ça donne ça je pense qu'en fait on est bien, enfin, quoi qu'il arrive, c'est quand même pas si mal. Pas grand chose derrière. Devant on est bien, donc même avec, même avec la confusion, on restera devant. On restera, devant. restera dans, clairement. Hein. Je vois même pas ce qu'on peut faire pour optimiser. Tu vois, Au final, bon, c'est contre un bot et là, franchement, on est bien sur tous les fronts. Euh, t'as pique Non, t'as raison. T'as raison, t'as raison. J'ai oublié de pique. Voilà, avec le pique, voilà. Bon, ça change un peu, mais ça va. Ça change pas grand chose. peut-être mettre le milieu qui a pas mal de passes en offensif. Ah ouais t'as raison, on perd même pas trop au milieu et on gagne en plus en attaque. Ouais bien vu, bien vu. Euh... Pourquoi pas... Attends, si on fait ça ça donne quoi ça c'est vraiment genre pour faire du chipotage mais tu vois parce que je me dis qu'en fait finalement c'est l'attaque centrale qui est le plus euh, élevé donc pourquoi pas tu vois rajouter un peu de défense centrale aussi pour être sûr. Donc ça fait quoi ça fait. J'aurais peut-être mis boucherie de l'autre côté. Euh, parce que n'y a pas de latéral euh, sur ton côté gauche, donc euh, il apportera un peu plus. T'as raison. Effectivement. Bien vu. On est à 20-27-11. Il a peut-être un peu de défense pour euh, renforcer la défense centrale si on veut, on veut chipoter. Je sais pas ce qu'il a comme carac euh, exactement. Où ça En défense centrale euh, Coup d'air. Euh, coup d'air, pardon. Si coup il a de défense. F, non, enfin faible. Non, non, y a rien à, à gratter. Non, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. En attaque, attends, ça donne quoi C'est. Bon, c'est très équilibré. Ah, regarde le côté droit, peut-être qu'on pourrait inverser parce que je vois que c'est plus élevé ici. Ah, bah non, ça changerait en fait d'inverser. Ah, oui, non, c'est les ailiers. Attendez, je teste un truc. Attendez, on va juste faire ça. Hop, hop. Non, pas du tout. C'était pas, pas ça le résultat escompté. <laughs> euh... Tu vois, le 775 qui est ici à gauche. Ah, oui, c'est parce que c'est Rotilène, maintenant. attends, si on met Rotilène ici. Tac, tac. Tu vois si on fait ça, en fait ça permettrait d'avoir notre plus grosse attaque. Ah finalement c'était de moins équilibré en fait en faisant ça. 67 77 89. Ah oui mais attends non non attends en fait je fais n'importe quoi. Parce que je crois que j'ai mis coup d'air aussi, qu'il ne faut pas. Attends je regarde juste vite fait. 67 77 89. 67 77 89. Ouais non en fait c'est mieux comme ça quoi qu'il arrive. On essaie d'optimiser finalement ça fait pire à chaque fois quand je fais ça quoi. Et si on remet en normal le, le deuxième milieu, coup d'air Ah oui mais oui mais en fait euh, c'est chaque fois que j'ai des places place. ça même pas bien. Juste ouais. un tout petit peu au milieu. Ok. Ouais ça me paraît pas mal. Ouais franchement on va déjà sauver ça je pense c'est déjà un début. Euh, il faudra qu'on fasse les, remplaçants, les remplacements de toute façon. Euh, Sysen mène 4-0 en finale de la Coupe d'Irlande. Ah cool, félicitations à lui. Sysen qui a rejoint notre oui. Discord d'ailleurs. Et en parlant de 4-0, ben désolé <laughs> Grand Vince. <laughs> Mince. Quatrième but. Là, okay. là, bon, là, même si un malentendu, ça passera plus. On est déjà en deuxième mi-temps ou... Euh... Oui, c'est ça. Ah oui, clairement. Ouais, 5-0. <laughs> 5-0, on est à la quantième minute 78ème. Aïe. Compliqué. <laughs> voilà. Côté positif, c'est que ça va pas plomber ma confiance. Vu qu'on est sur une coupe secondaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, as, fin, franchement, une finale, c'est quand même chouette, hein, mine de rien. Y a, par contre, il a pas de, as pas de coupe ou de choses comme ça en étant en finale euh, non. T'as pas une médaille, un truc. Ça, c'est dommage, tu vois. Ils auraient pu faire quand même parce que quand tu fais une finale, tu vois. Enfin, bon, bref. Ah, pardon. Euh, sinon, c'était pas 4, c'est 5. Oui, c'est ça, mais il a dit. Il a dit ah, dit, oui, d'accord, ça... ok, oh, désolé. Il a dit S5, tu voilà. vois. Voilà. Mais bon. euh, et des sous, ouais, parce tu t'as raison, il y a des sous aussi, t'as quand même une prime et tout, donc c'est quand même pas mal. C'est combien ta la prime quand t'es deuxième euh, 150 000. Oh, toujours, franchement, c'est toujours bon à prendre. Hein. Après, ouais, ceci ouais, dit, ouais. Perdre, perdre la première coupe, hein, Nouvelle Nation avec une euh, si grande différence de score, c'est un petit succès en soi. Hein. <laughs> aussi, C'est vrai. <laughs> Euh, Seisen ne peut pas écouter, mais il lit le chat. Ah, ok. Bon, on lui remet le bonjour en tout cas, mais bon. bon il ne peut pas écouter, dommage. Il écoutera la rediffusion dans ce cas -là. Écoute, je pense que pour la compo, on est pas mal. On va mettre des remplaçants déjà. Euh, gardien, ça c'est fait. En défense, Bonnie, bien évidemment. Euh, en défenseur latéral, on Traoré, il a le carton rouge, donc c'est Tapsoba. Ouais, il n'est pas incroyable, défenseur latéral. Euh, on va mettre... Euh, euh, Nagalo, pourquoi pas. On est en manque hein, de défenseurs latéraux, clairement. En ailier, on va mettre euh, Traoré, on peut pas... Traoré, bah ouais, du coup. De le quoi deuxième. Traoré Il y a un... Le deuxième Traoré. Ah, ah, oui. Ouais, lui, ouais, ouais, vrai, oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Et en attaque, alors je crois pas qu'on a encore... Attends, on a encore des attaquants. Ah oui, Panon des Tigiri, je crois qu'on a encore. Oui, c'est ça, Panon des Tigiri. Ok, et en extra, on va mettre... Euh, pourquoi pas... Zach moi j'aime bien Zach Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de milieux. Tu j'aime bien, c'est un petit honorable. Enfin, euh, il est là depuis, euh, je pense, le début. Enfin, ouais, il a le petit cœur et tout, donc c'est quand même cool. On va le mettre en extra, quand même. Ok. Quoi qu'il arrive, on doit faire quelque chose de très important, c'est les remplacements. Et donc, je pense... Euh, faudra remplacer... Euh, plug ça c'est sûr. Attends, il a 3... De quoi Plougue et d'air. Euh, ouais. Plougue et Le milieu qui est sur le banc, il est ciné, il est comment par rapport à d'air Il est pas mal, c'est juste qu'il a pas d'endurance aussi, en fait. On le mettrait pas en titulaire, peut-être euh... Ciné Ouais, juste pour voir ce que ça fait sur les notes. Ah oui, bien vu, bien vu. Ah ouais, ça monte l'attaque centrale et latérale droite. Ouais, clairement, on fait ça, c'est parti. Ça me semble très très bien en fait. Donc Siné par coup d'air, Plouc par des Tigiri. Et c'est déjà pas mal, hein, je pense. Ouais. Delvo, il peut tenir, ça va. À la 60e, peut-être Parce que Siné, c'est vraiment faible, un hein, 3. 3 et 3, et 3 d'endurance de, à mon avis. 65 e 60e, tu dirais quelle minute Ouais, j'aurais dit euh, ouais, une e ça peut être pas mal. Sur 3, ça va vraiment, vraiment baisser vite en deuxième mi-temps. Ouais, ouais. Normal, euh, je pense que ça ça va. Nouvel ordre plug, euh, mince. Remplacement Ploug... pas dans des tigueries. Et euh, pareil en fait. Euh, je crois que j'aurais dû copier mais c'est pas grave. Euh, normal et soixantième aussi. Ok, on est pas mal déjà, on est pas mal. Euh... Est-ce que ça vous va dans le chat la composition Est-ce que ça vous va Est-ce que ça vous plaît Vous en pensez quoi Et Grand tu en penses quoi ça, ça va, Je pense que normalement ça va, c'est contre un bot, ça devrait aller normalement. Ouais, je pense que avec la possession qu'on a, on devrait avoir rapidement des occasions et faire, faire la différence. Donc, le petit 27% qu'il a en défense centrale, face, face à notre défense centrale, il va, il va, il va diminuer avec le, le repli. Donc, Exactement. Ça devrait, ça devrait, pouvoir le faire. À euh, bah voir après si, euh, si on fait peut-être en deuxième mi-temps une bascule sur un, sur une autre compo pour maintenir, euh, ah maintenir oui. le, le 2-5-3 ou le 4-4-2 euh, bon, suivant les besoins. Juste Pourquoi à, pas à la 80 e pour, euh, pour éviter que ça, que ça redescende. Euh, on, ça, on nous dit un retour en 3 5 si ça ne se passe pas comme prévu. Et jeu créatif, est-ce que le bot a des spécialités Bonne question, on peut regarder. Euh, je crois que c'est ici, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, on va regarder. Est-ce que le bot a des spécialités pour éventuellement faire un jeu créatif On va regarder. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a Un gardien, un gardien un joueur de tête, ok. <laughs> c'est original, ok. <laughs> Euh, c'est fou c'est rare enfin il y en a pas en fait ça sert vraiment ou pas tu vois ça sert... je pense pas que ouais. ça si ah ça sert peut-être la... comme dans le tirage avec la de dernière modification euh, je crois que ça joue euh, sur, les, sur les corners défensifs oui c'est vrai t'as raison c'est vrai qu'il y a la dernière modif c'est vrai que je suis pas encore à jour euh, là dedans mais c'est vrai euh, arrière central on a un joueur de tête qui joue on a au milieu de terrain un joueur de tête qui joue ça fait beaucoup de joueurs de tête hein. Hélié technique rapide, ah on peut voir l'Élié rapide effectivement si on peut le contrer, caboret, et attaquant un prévisible joueur de tête. Ah, ah attention, tout espoir est permis, enfin, vous euh, Les états bretons viennent de mettre un but, ils n'auront pas en tout cas le, le but Ouais c'est bien, l'honneur est sauf. Bravo, bravo, l'honneur est sauf, voilà. Non mais c'est vrai, bah, c'est cool, c'est cool. Euh, on va juste regarder rapidement l'Élié rapide, où est-ce qu'il l'a mis C'est vrai que ça quitte à faire, euh, autant regarder ça, ça c'est quand même important. Donc, ah non, ça c'est le prochain match, pardon, autant pour moi. Euh, euh, c'est ça, 30 du 4 contre Est-Pangolin. <laughs> est, attendez, comment est-ce qu'on accède au match C'est moi qui fais n'importe quoi Ah c'est ici, autant pour moi, pardon, je clique sur la mauvaise flèche, ok. Euh, donc, c'est un petit peu lent, mais ça arrive. Donc, RC Est. Et donc Caboret, c'est donc il est à gauche. L'élé rapide est à gauche. Et donc si on regarde ici, boucherie est à gauche. Ah non attendez, euh, non justement, attendez. Oh là là, ça y est, je. Il devrait être à droite. Être à droite. En fait finalement on va inverser boucherie quand même pour être sûr, hein, je pense. De toute façon ça change. Attends on va voir. Ah mais en fait le problème. Ah non attendez je mis en défensif. Bon ça va c'est ok ok. Ça donne quoi ici? Ouais ça, va, ça change pas grand chose et ça permet d'être sûr qu'il passe pas euh, une, une, action, euh, une action spéciale quoi. Et si on met Damo en, en défensif euh, ça change un petit peu ou pas oh, c'est encore pire attends attends on va juste faire ça. Ah on gagne 0,25. Ah pourquoi pas effectivement. Et attends et Delvaux on pourrait peut-être le mettre ici aussi. Hein. Tu vois on pourrait faire un truc dans ce style finalement donne quoi sur l'analyse Ça lisse un peu finalement Ouais. Ouais c'est pas mal je trouve. Ouais je pense clairement en fait c'est bien comme ça. Si on fait ça là on arrive à un bel équilibre en défense en tout cas et bon en attaque c'est pas mal. Ok et en tout cas ça nous assure de pas... Parce que c'est tellement possible de se pronter une, une occasion euh, spéciale, un événement spécial euh, qui nous mettrait mal en début de match donc euh... enfin, c'est pas mal je pense comme ça. On est un peu exposé à assez... ces ses ah, joueurs de tête. Euh... Non, 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 on en a 15 sur le deux, terrain. on en a deux. deux. Ouais. Ouais, ça, ça le faire. Mais par contre, en vrai, euh, j'aurais pas spécialement envie de jouer jeu créatif en fait, parce que je sais pas. Il a quand même pas mal de jours de tête. Tu vois, si ça déclenche des actions chez lui, ça serait un peu dommage, non ses si, joueurs de tête et son. Je crois qu'en attaque, il a un imprévisible et puis un. Et un rapide, je crois aussi. Euh, je pense, ouais, attends, on peut revoir ça si tu veux. Euh, ici. Effectivement. Euh, en attaque. J'ai fait doigt qui nous dit non. Donc, euh, pas partisan non plus de, du jeu créatif. C'est vrai que s'il avait aucun. Franchement, s'il avait. Ou s'il avait un ou deux joueurs avec des spé, on aurait pu s'amuser à faire ça, mais là c'est un peu peut-être un peu bête euh, imprévisible et joueur de... non c'est joueur de tête en fait il y a vraiment beaucoup il a quatre joueurs de tête nous on en a que deux donc euh, il y a tellement moyen que ça déclenche un, une action joueur de tête et que ça soit lui qui l'est en fait il a quatre chances sur site de l'avoir quoi en gros s'il y a un ouais, tirage là, son, son ailier technique aussi face à notre défenseur joueur de tête ça peut, ouais. ça peut nous porter préjudice non je pense pas que ce soit judicieux clairement clairement mais c'est bien au moins on est bien. Et donc un éventuel passage en 3-5-2 si ça se passe pas comme prévu. Ou même si ça se passe comme prévu. Enfin tu en penses quoi de ce passage en 3-5-2 Sachant que le 3-5-2, on va aller jeter un petit coup d'œil, ne vous en faites pas pour ceux qui se posent la question. Le 3-5-2 est pour l'instant en... On le cité un petit peu lent, désolé. En... Oui, 9. En fait tout est à 9 finalement. Mais c'est vrai qu'on pourrait, si ça se passe mal, effectivement passer sur un 3-5-2. Pourquoi pas Après... Oui. Tu peux voir l'ensemble des routines sur la, sur la composition de match aussi. Si tu survoles le. Oui, c'est vrai, tu as raison ici. Ouais c'est vrai. Après, oui, je sais. c'est juste de maintenir une des, une des routines à formidable ou euh, de, de louer 10 minutes une des routines de 5 3 ou, ou 3-5-2 pour éviter qu'elle re, qu redescende à, à 8. Ce sera toujours 7 toujours prix. Clairement, on peut faire ça. Et salut à Cacur le Belge qui dit, sa première fois que je me connecte ici de mercredi. Bah, écoute, Bienvenue ici. c'est le Là, on met les mains dans le cambouis. Hein. On gère vraiment l'équipe communautaire Kakerlebel le Belge. Si tu ne connais pas, c'est l'occasion de découvrir. Euh, voilà, donc là, on a Grand ce soir, notre concurrent et ami. Euh, voilà. Donc tu disais, pas... ouais, changer de routine, euh, si ça se passe mal, c'est ça. Euh, pour en garder une, par exemple, 3-5-2 ou une autre, quoi, éventuelle, c'est ça. Ouais, c'est ça. De les maintenir... À... Et le 2 5 -3, le 3 5 2 euh, euh, à 9, on, on Donc, pour faire simple, si on devait passer par exemple en 3-5-2, un bête exemple, le 3-5-2, ça veut dire qu'on retire un attaquant pour le mettre au milieu de terrain. Ouais. Et donc, ça voudrait dire que si on retire plus, c'est un peu embêtant parce qu'on a décidé de le remplacer à la 60e, donc c'est peut-être un peu risqué, au cas où le changement devrait se faire à la 65e, je ne sais pas. En fait, ça dépend si, ouais, ça dépend si on met une condition, t'es genre mené de deux buts, mené d'un but ou si on met une condition, à partir de X minutes, en fait, ça, ça va dépendre de ça. Mais pour être sûr, déjà, on pourrait prendre taïrou ou, euh, ou Dabo, en fait. Moi, je partirais quand même sur euh, remplacer Dabo, qui a 34 ans, tu vois, un peu plus âgé, un peu moins de forme et d'endurance, que taïrou Dabo, on sort Dabo, et puis on va rentrer, euh, rentrer un milieu qui, euh, qui tient la route. Euh. Ah bah Zagre c'est c'est le milieu que j'aime bien, tu sais es que je dit parce qu'en fait on peut pas faire rentrer coup d'air parce que lui il va remplacer de toute façon euh... en fait. ouais c'est ça. Mais Zagre pourquoi pas C'est le milieu, j'aime bien ce milieu. On peut regarder ce que ça donnerait, tu vois, éventuellement, on met Zagre à la place de Dabo, on le met ici. Ça donnerait ça. Ouais, ça c'est un peu le problème. En fait, si ça se passe mal, on baisse nos no 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 notes d'attaque. Donc ça c'est peut-être pas En fait, on peut faire le 3-5-2 mais pas si ça se passe mal, le 3-5-2, ça peut être genre à la 70e pour la monter un petit peu ou un truc dans ce style quoi, je pense, non Ouais, ça peut être ça. Ou, ou sinon, carrément, euh, non, ça irait à l'encontre des votes, mais de, de commencer en 3-5-2 euh, directement. Et puis dès qu'on qu mène de, de plus d'un but, on bascule sur le 3-4-3 pour, pour monter la, la routine. Quoi. Ouais, pourquoi pas aussi. Complexe, euh... Même si entre nous, tu vois, pour moi le 3-4-3, ça, me... enfin, ça me semble vraiment top. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu tout le vote. Je me dis, bon, comme ça, au moins, on garde cette compo. Sinon, c'est bizarre si on a fait tout ce vote avant pour pas grand chose, finalement. Et aussi, finalement, c'est ce qu'on veut. On veut marquer plein de buts, de toute façon, non Enfin, tu vois. Euh... Vous en pensez quoi dans le chat Attends, je regarde un peu ce que ça dit. Si, men, si on mène, je vois pas l'intérêt de retirer un attaquant, vu qu'on a le milieu en plus. Ah, si, mené, pardon. si on est mené, je vois pas l'intérêt de retirer un attaquant. Ouais, mais je suis d'accord, en fait. C'est vrai que en fait, si on est mené, enfin. Euh, enfin, pas... ouais, c'est vrai que ce serait bizarre. Et si ça passe bien. Faut continuer à planter. Sauf qu'on aura un malus au milieu à cause de la routine. Comme d'apidu. Ouais, faut rester à 3 devant. Ouais, c'est la J'ai vu ton message pour les 1000. Mais je crois que je vais pouvoir, pouvoir t'aider pour les 1000 aussi. Mais je vais faire ça après si tu veux. Comme ça, j'essaie je... juste de gérer l'équipe. Et après, promis... Euh... Euh, on fera ça. Ok. Et en fait, on pourrait presque rester comme ça, non Bon, le chat, on a besoin de votre avis. Vous en pensez quoi Et toi, Grand Vin, n'hésite pas à nous tirer non plus. Hein. Si toi, tu penses qu'on pourrait rester comme ça, ou faut quand même changer, ou. Euh... On va voir un peu ce que nous dit aussi le chat. Hein. On a un rapport à 90-10 au, au niveau du milieu, donc. Euh, il, aura, il aura très peu d'occasion. Ses notes d'attaque sont bien faibles par rapport à notre défense, donc on ne prend pas beaucoup de risques. Et il reste euh, éventuellement les, les SE pour. Pour nous mettre dedans mais euh, dans tous les cas euh, on mettra euh, on mettra au fond la grande majorité de nos occasions oui mais clairement on clairement on peut rester là-dessus ouais. pas besoin de changer 3 4 3 font les ballons euh, plutôt 2 5 3 alors six soucis 2 5 3 plutôt oui <laughs> il y a un peu de tout salut à Vala hein. Slanor c'est Vala hein, qui est le parrain de l'émission qui nous suit aussi euh, en rediffusion 2 5 3 plutôt oui donc, en fait, si on est mené, on passe en 2-5-3. J'ai l'impression que c'est un peu. En fait, c'est soit. En fait, vous savez quoi On va faire un dernier sondage. Parce que je crois. En fait, là, il y a deux idées qui s'opposent, en fait. En gros, si je comprends bien. Il y a l'idée de. On change si on est mené. On change en 2-5-3. Ou alors, on reste en 3-4-3, quoi qu'il arrive, ad vitam aeternam. Euh, moi, si vous voulez, euh, je vous propose peut-être le sondage. Euh, comment est-ce qu'on peut faire le sondage bien euh... On fait quoi <laughs> 3, on va faire 3, 4, 3 à fond les ballons Ou euh, 2, 5, 3 si, euh, genre, euh, si on est mené quoi En fait en gros c'est ça hein, je pense Le 2, 5, 3 La dernière fois qu'on a joué contre un, bo un bot en pic avec une routine à 3 On a fait match nul Après je suis d'accord avec toi Voilà Mais faut pas oublier qu'on avait 99% de chance de victoire 1% de match nul donc c'est malheureusement un résultat, euh, comment dire, vraiment illogique, mais qui est arrivé. Mais tu as raison, tu as raison, c'est vrai que c'est arrivé, donc euh, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on fait un sondage. On fait le sondage. On fait quoi On reste en 3, 4, 3, quoi qu'il arrive, ou on va en 2, 5, 3 si on est mené. <laughs> J'aime bien parce que, tu vois, là, ça, franchement, dans le chat, il y a une grosse discussion avec ça, en fait. Et ça me plaît, c'est ça qui est bien, ça qui est chouette. Et je vois que déjà, même dans le sondage, déjà, il y a un vote partout. Maintenant, c'est 2, 1 pour 2, 5, 3 si on est mené. Bah, si on est mené de combien, d'ailleurs Perdu quand même, qui est 2-5-3, mais bon, on va voir. Le vote est ultra serré, hein, par contre. En vrai, c'est 50-50 pour l'instant. Après, le 2-5-3, si on est mené, euh, moi, je crains qu'on lui offre aussi euh, plus de possibilités en attaque sur euh, les rares occasions qu'il aura. C'est ça. En fait, le problème aussi, c'est en fait, on pourrait être mené, peut-être sur une occasion spéciale ou quoi, on pourrait être mené... Et en fait là on change de tactique, enfin, c'est vrai que en fait, c'est complexe hein, comme situation. Écoute on va voir, on va voir ce que le chat vote. Euh, c'est 50-50 toujours, 4 votes pour l'un, 4 votes pour l'autre. Si on ne gagne pas plutôt. Ouais on pourrait faire ça pardon. En tout cas le 3-4-3 c'est si... Le 2-5-3 c'est si... Voilà si on est mené, si on ne gagne pas. Si... Mais ça il faudra encore qu'on en discute si c'est ça qui gagne. Hein, mais effectivement. Donc est-ce qu'on changera en 2, 5, 3 éventuellement dans un cas de figure précis Est-ce que c'est 3, 4, 3 On passe en 2, 5, 3 pour stopper la confusion. Peut pas voter, nous dit chef lindois. Tu voudrais voter pourquoi, chef lindois ah, Je crois que le chef lindois peut voter pour 2, 5, 3 à mon avis. Je ne dis pas de bêtises. 2-5-3, si on ne gagne pas la 60e. En fait, ça va être match nul parce que, en fait, Chef d'oigt on prend son vote en compte euh, parce que je ne peux pas voter là, mais on prend son vote en compte sur le 2-5-3. Zed aurait voté pour lui, en fait, euh, comme il ne peut pas voter. On connaît ce cas de figure, donc euh, ça, on sait. Donc, en fait, c'est match nul. Honnêtement, c'est match nul. Mais euh, c'est compliqué quand c'est match nul. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que finalement, ça ne serait pas à Grand Vince de nous dire. Euh... Oui, exactement. Katox dit notre invité va trancher. Et je pense que c'est une bonne idée. Euh, j'ai des euh, Grand vins de. Bah, 2-5-3 si on ne gagne pas la 60 e Je pense qu'objectivement qu'on perd un ordre en fait parce que avec euh, 90-10 sur le sur le milieu et, et des attaques à... entre 75 et 85 euh... Franchement euh... à la 20 e minute on doit déjà déjà mener franchement le, le match quoi. Et... Okay. et la confusion on la pas des masses. Euh... Enfin, il y a toujours 1% ou 2% de chance que... Que ça se passe mal mais c'est petit thème quoi en face il ya voilà qui disait que qu'on est fait des matchs venus avec une routine à 3 mais c'était face à une face à une bonne défense là il n'y a pas de défense en face ou très peu donc euh... pour moi 3 4 3 et après c'est plutôt de... De, faire, euh... de faire un changement de routine euh... juste pour maintenir un niveau de routine que de le lier à, au résultat du match. Ok. Donc, en fait, toi, tu serais persistant, si pas de bêtises. Donc, on est en 3-4-3 et on changerait éventuellement à la 60-70, ça, ça sera à voir. En euh, genre, bah, on pourrait faire 2-5-3, comme ça, tout le monde est content. On maintient la routine un peu de 5 3 mais on fait le changement qui n'est pas lié au résultat. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais. On reste avec 3 attaques en devant pour, euh, pour maximiser le, les possibilités de but. Ok. Et dans ce cas-là, on changerait qui en défense, tu vois Damo, à mon avis parce qu'on doit laisser Boucherie pour euh, sa compétence spéciale. Ou oh, 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 pas moi oui. Merci, je voulais couper le micro, j'ai pas eu le temps. C'est venu d'un coup. Euh, pardon, j'étais parti sur. Donc en fait, Boucherie, on doit le laisser, on est d'accord, parce qu'il bloque en fait les liens rapides pour optimiser ça. Et Delvo, c'est un peu notre gros défenseur. Donc en fait, on retirerait Damo dans ce cas-là Ouais, c'est quoi ces caractéristiques à Damo il est euh, passable, passable, passable. Défense passable, et lié passable. Ouais, on peut le sortir et puis euh, et on met ton, ton petit coup de au milieu. On va voir ce que ça donnerait. Déjà, on va regarder, on va regarder. Hop, on met Damo ici et on met Zagre à la place. On aurait ça dans les changements. Ah, par contre, ouais, le moins... enfin, Ça fait peur quand même. Hein. Le 4,75 à gauche... Ça fait quand même un peu peur, ouais. ça, tu vois, mais bon. bon après ça, je l'aurais fait à la, à la 80e, juste pour, pour maintenir la routine. Donc, euh, on aura déjà. Un... C'est vrai. Théoriquement, déjà un repli défensif. Est-ce euh... qu est qu'on peut le faire à la 80e en disant si on mène de deux buts, tu vois, pour être sûr Ouais. Ouais, c'est ça, comme bon. ça, là, on est vraiment sûr, en fait, qu'il n'y a pas de souci si on fait ça. Écoute, ça me semble pas mal. Vous en pensez quoi dans le chat N'hésitez pas à donner votre avis aussi, hein, parce que justement c'est ça qui est chouette, c'est de discuter tous ensemble. Mais euh, je trouve que c'est un bon compromis, c'est un bon... Euh... On va déjà créer l'ordre. On verra après, bien évidemment, ce que disent les gens. Hein. Si les gens ne sont, sont pas d'accord, on discutera, bien évidemment. Mais on va déjà faire quand même pour voir. Remplaçant, donc ça serait, on remplace Damo, on fait rentrer Zagre. Euh, en normal. En milieu. Et alors c'est euh, si l'équipe mène par plus de deux buts d'écart à partir de la 80 tu sais ou 70 80 je sais plus. Ouais, 80, dit 80 ouais. À partir de la 80e donc. À la 80e Damosor euh, d'Amos il vient en normal, il se met au milieu si l'équipe mène par plus de deux buts. Est-ce que ça nous va le chat D'un but. Ouais. Par plus d'un but Ouais, bon ah oui, t'as raison, t'as raison, autant pour moi. Oui, c'est vrai que c'est plus d'un but d'écart, donc oui, c'est deux En fait, je pensais, genre, quand, si on mène 2-0, mais t'as raison, en fait, c'est par plus d'un but d'écart, effectivement. Ok. J'attends un retour du chat, mais... Non, le chat... Euh... Qui ne dit mot consent, hein J'ai envie de dire. <laughs> je crois qu'on a laissé le chat bouche b Ils sont épatés par tes talents d'organisateur, je pense... OK. Cheflandois qui propose le décès avec un ordre vers l'aile. Pour, la... Pour Ah compenser oui, la... Oui, la sortie oui, oui. du C'est après le passage du en 2 5 3 euh, Cheflandois. Écoute, je vais regarder ce que ça donne, c'est vrai que je suis curieux de voir euh... ça donne ça et en fait ça serait en fait ça serait ça l'idée. Ouais, c'est il confirme au passage en 2 5 3 de <laughs> Rajouter un ordre pour Delvaux à droite. Alors à on peut, mais regarde, ça donnerait ça au niveau des notes. Ça, ça fait encore plus peur parce que là, la, la grosse note arrive au centre. Ah, c'est pas évident. Hein. On peut, hein, si vous voulez. Et attends, et boucherie, si on le met aussi comme ça, ça donnerait quoi Ça compense assez ou pas Pourquoi pas comme ça, tu vois, au pire, alors avec boucherie aussi avec un ordre vers euh, le centre on, on risque de manquer d'ordre. Euh, il nous reste deux ordres, hein, je pense. Donc on pourrait mettre. Ouais, ça pourrait passer. Ça pourrait passer, tu vois. Euh, ok, ouais, vas-y, ok, au passage en 253, web. Ouais, ça a l'air ok dans le chat. Ok, donc on dit. Donc attends, j'ai pas envie de faire de bêtises. <laughs> C'est donc changement d'ordre. Donc attends, Delvo euh, Delvo. Non, en fait, je vais pas faire ça. Attendez, là je vais faire n'importe quoi. Je me connais, je vais faire n'importe quoi. Je reviens dans match parce qu'en fait, il faut pas que je sauve parce qu'en fait, là en gros, j'ai mis des trucs avant. Donc je reviens dans match. Je fais ça, j'aurais pu faire j'aurais pu rafraîchir la page bien évidemment. Donc là normalement, on est bien parce que en gros, on a notre compo de base, enfin notre compo de base, notre compo euh, comme ça qui est très bien. On a les ordres collectifs qu'on a mis et il manque juste euh, l'ordre avec d'amo. On va juste refaire celui-là mais, mais je voulais pas en fait tout mettre en l'air la compo. Donc remplacement. On retire d'amo on met euh, Zagre à la 80ème euh, en normal. Si l'équipe mène par plus d'un but d'écart et il va au milieu. Donc ça c'est acté, c'est sûr, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. En plus de ça, c'est ça. En plus de ça, euh, changement d'ordre, on prend Delvaux, On le met donc à la 80ème. En fait on fait le même ordre finalement. 80e, on le met vers l'aile. Si l'équipe mène par plus d'un but d'écart. Et finalement, on fait pareil, mais vers le centre pour euh, boucherie. Euh, 80e. Vers le centre. Si l'équipe. Euh... L'équipe mène par plus d'un but d'écart aussi. C'est ça, on est d'accord, c'est bien ça. On est tous d'accord, il n'y a pas d'erreur. J'envoie déjà les ordres hein, pour être sûr, mais en gros. C'est ça l'idée. Ok, parfait. Bah, écoute, on est plutôt pas mal. Alors je vais vous faire mon cassélec. Oui, euh... <laughs> t'as raison. <laughs> Parce que on, on joue en 3-4-3 et, et si on a un milieu qui est expulsé, on aura toujours notre de milieux correct mais on va quand même beaucoup plus s'exposer. Alors du coup, euh, ça peut être compliqué, euh, on peut-être prévoir un remplacement dans ce cas-là. Ok, donc déjà euh, prévoir un autre milieu, c'est compliqué parce qu'on a vraiment, genre, tu vois, tous nos milieux qui sont déjà. Euh, il se passe déjà quelque chose avec nos milieux. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait dans ce cas Je vois ce que tu veux dire, hein. mais donc en gros, si on a un des milieux qui est expulsé, de, de remplacer euh, Damo par, par un milieu, après Zagre va être, va être un peu limité pour, 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 pour ce rôle-là, quoi. Attends, mais on n'a plus d'ordre collectif aussi, tu vois. Bah c'est ça le, le problème c'est que ah si oui, on, met, oui. euh, si on met ces deux ordres là on ne peut plus couvrir cette, cette éventualité là quoi. Ah ouais 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 effectivement. Donc ça serait quoi l'idée je, je serais ouais pardon. Je de évoque le caractère des deux milieux pour euh, vérifier ça. Ciné controversé. Euh, c'est attends c'est quoi le c'est honnête c'est ça qui joue sur euh... Je sais plus en fait, euh, j'ai un doute. Ouais, c'est les, les deuxièmes, équilibré euh, honnête. Équilibré honnête. Et Rotilène, c'est calme et fourbe. Le fourbe, il peut, euh, il peut nous faire des de, cartons. De <laughs> c'est ça, il est, il est capable d'avoir de, des cartons. Et ouais. les blessures, ça, malheureusement, on ne sait pas. Ça, ça peut être aléatoire. Hein. Ouais, ça. Après, peut-être que ça peut être euh, regarder le marché des transferts, voir s'il n'y a pas des. Des vieux milieux. Moi, j'en ai vu passer un euh, ce matin, euh, un milieu à 14, euh, à 50 000 euros, avec une, une bonne forme, euh, avec euh, une petite secondaire en défense. Euh, ça peut ça peut aussi permettre de, de renforcer un peu l'équipe. Ok, ça n'a pas d'autre possibilité, effectivement. C'est toujours dur, on peut regarder ça, mais c'est vrai que c'est toujours dur en direct hein, de regarder les transferts parce que. Mais on peut regarder par contre ce qu'il y a et mettre des enchères maximum éventuellement. Je vais déjà sauver les ordres quand même. Tu vois. On a déjà quand même une compo qui tient la route, donc là on sauve ouais. bien. Et ensuite on va aller sur les transferts. Euh, recherche de transfert. Et donc là on partirait sur un gros milieu, c'est ça hein, tu disais Ouais, bah sur euh, Ali, euh, oui. Ça c'est ce qu'on avait recherché à la base en fait. Tu te rappelles, vers le tout début, on avait cherché entre 33 ans et euh, plus. Euh, construction titanesque, endurance faible, enchère maximum 50 000. Ouais, J'aurais mis construction surnaturelle et, et en faire, euh, bah, peut-être euh, voir euh, combien le, le chat est prêt à mettre sur un, sur un nouveau milieu. Faut Il faut pas oublier qu'il y a le, les étalons bretons à affronter en J13. C'est vrai, c'est vrai, ouais, mais c'est pour ça, effectivement. On va pas acheter un mec de 37 ans pour qu'il se blesse, nous dit Vala. Voilà. Ok. Vala voilà, n'est pas partant. Chef doigt a l'air partant. Ça, ça va sentir le sondage, encore une fois. Euh... Après, le truc qui est embêtant, quand même, si je tiens. Attends. En fait, en gros, je suis pour parce que je trouve que l'idée est bien. Et je suis contre parce que je me dis, on a quand même beaucoup déjà de vieux milieux, tu vois. Donc, c'est un peu la complexité de, de la chose. Mais. Euh... Euh, zéro euros d'accord avec Vala ah non ok chef l'endroit est d'accord avec Vala ok euh... après ce qu'on peut faire aussi je pense que si on veut faire des gros transferts <laughs> là je vais faire un peu le fourbe tu vois c'est horrible mais je suis désolé c'est après c'est le jeu mais je pense que si on doit faire des gros transferts autant les faire juste avant les matchs contre les grosses équipes qu'on doit affronter en championnat tu vois ça peut être drôle pour le côté ouais. surprise aussi tu vois ce que je veux dire enfin parce que là finalement ouais, je... Les acheter maintenant, c'est vrai que finalement, s'ils se blessent, fin, on, ils pourront pas jouer contre toi, et en plus, ils vont perdre encore de l'endurance, etc. Parce que là, on le voit clairement, nous, en fait, le problème qu'on a, c'est pour ça euh, que ça pourrait poser problème. On en avait discuté, en fait, avec euh, Scalper et Poppet, je sais pas si on avait discuté en live, mais en tout cas, je sais qu'on avait discuté peut-être hors live, c'est qu'en fait, on a très peu d'endurance, tu vois, notre, notre entraînement, et donc, en fait, si on achète des vieux milieux, je pense que d'ici 5 ou 6 semaines, à mon avis, l'endurance va baisser d'un cran au grand minimum, si pas plus, donc ça peut être problématique. Mais ça, par contre, ça peut être l'idée, peut-être dans 3-4 semaines, commencer à réfléchir vraiment à des gros milieux à ce moment-là, peut-être. Ouais, moi je suis pas beaucoup plus... Je dois être à 20% d'endurance, c'est à peu près pareil, mes milieux sont à, sont à... 4 ou 5 en, en endurance, donc c'est pas non plus... Euh... pas non plus très élevé, euh... ouais, ça se... ça s'entend, il y a encore ouais, mais... euh, 3 matchs contre des bottes, euh... Jouer, donc, euh, c'est juste que le, le milieu remplaçant, enfin, euh, il y a un milieu euh, pour jouer un 3-5-2 euh, sur d'autres matchs. Il euh, n'y a pas forcément de le seul milieu remplaçant, c'est Zagre qui, avait, qui en forme est 3. Donc, euh... Ça discute en tout cas dans le chat. C'est bien, c'est une bonne question. parce se que commence à faire agir dans le chat. Salut à petit club aussi qui dit, quelle fourbe, ce d'apidu. Mais j'ai appris de toi, petit club, hein, bien sûr. On n'arrive pas au T2 avec le Sénégal sans être fourbe, hein, je pense. Euh, on joue en pic alors qu'on n'a pas d'entraîneur avec un tempérament de chef. Je me suis posé la question, je vous avoue que ça c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de tempérament de chef, est-ce que le pic il tient la route en fait à chaque fois tu vois Attends on peut voir ça. Est-ce que toi t'as un tempérament de chef avec ton entraîneur ou pas du tout T'as le même que nous d'entraîneur Non, j'ai gardé l'entraîneur de base euh, passable entraîneur passable avec tempérament de chef euh, faible. Je suis euh, comme vous, je suis joie. Bah, ça va en fait. Bah, finalement, c'est mieux que rien quand même. Non, non. Donc, ça, dans ce cas-là, le pic, euh, si je peux me permettre, là. Je pense que c'est quand même une bonne idée de pixer parce que c'est pas fou. Hein. En mon avis, on sera sûrement heureux. ou En tout cas, on sera plus, plus haut que passif, calme pour le prochain match. Donc, ça va quoi. Ça tient la route. Mais, euh, mais je, je vois la question, l'interrogation. On est délirant de joie tout de même. Oh, ouais, c'est pas rien quand même. Finalement, ça va. Euh, il faut en endurance. Le parrain donne la voix. Je sais pas si pic, mettons à 10 points bas, faudrait simuler, on est des de joie tout de même. Attendez, beaucoup trop d'infos dans le chat d'un coup, là. Attention, attention. <laughs> je pense que ça, au pire, ça peut être la semaine prochaine, on pourra en discuter. Et là, franchement, le pic, alors qu'on joue pas la coupe le mercredi, c'est pas intéressant. Ben, après, contre le bot, ouais. je me dis, c'est quand même mieux que pas pixer, non ben Là, je veux bien entendre ton argument. Il y a aucun... Enfin, je trouve ça intéressant, justement. Pourquoi Tu vois Parce que... Enfin, je vois ce que... En fait, je comprends l'idée. Mais d'un autre côté... Euh... Je sais pas. La dit se plaint quand on dort et quand on intervient trop. Ouais, c'est vrai en fait, j'avais content quoi. Bonjour à dimanche. Nos gardiens grandiront plus vite aussi. Donc attendez parce qu'en fait, on a deux trucs dans le chat en même temps, c'est l'entraînement. Je pense que l'endurance, vous savez quoi, c'est le prochain c'est le sujet de la semaine prochaine. Désolé mais comme ça on a un sujet chaque semaine, mais je pense que la semaine prochaine notre invité on parlera de l'endurance parce que là ça fait peut-être beaucoup pour ce soir. Et alors, le pic, par contre, ça, il faut qu'on en discute sérieusement, euh, avec chiffres à la pluie, à la pluie etc. Faut, je veux bien me confronter à ça, euh, essayer de regarder dans la semaine pour essayer de vraiment voir euh, ce que ça donne. Et avec les mises à jour à venir, on sera à 5. Ok, donc si on revient. Euh, de quoi, Grand euh, qu Vince, pardon Je pense pas qu'on sera à 5. Mais je pense euh, pas non plus. Je pense pas non plus, tu vois. Mais peut-être, après, si Valhalla dit ça, euh, mais. Euh... T'es sûr, voilà qu'on sera à 5 pour euh, di euh, dimanche En fait, je pense qu'il faut faire le calcul, mais je n'ai pas les outils pour. Hein. Je vous avoue, moi, je rentre en tempérament de chef, je suis pas le meilleur pour ça. Je pense que la semaine prochaine, ça peut être les deux grosses questions, si ça vous va. Euh, parce que là, pour ce soir, c'est peut-être un peu trop, quand même. Un peu trop de, de questions, de questionnements. Il est déjà quand même presque 22h, et c'est vrai qu'on aime bien terminer vers, vers cette heure-là, quand même, pour pas que ce soit trop long non plus pour les gens. On peut le calculer avec les outils externes Exactement, c'est ça. Ça, on pourra voir ça. Sinon, Grand Vince, ouais, j'imagine que ton match de coupe est terminé, peut-être Oui, 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 terminé. Désolé en tout cas pour la défaite, mais, euh, mais bravo, pour, euh, bravo pour la finale, tu vois, quoi qu'il arrive. Franchement, c'est un beau parcours que tu as fait là. Quoi. Franchement, euh, c'est ici. C'est ma première finale de coup. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Par contre, 5-1, mais franchement, il faut une première à tout et c'est chouette en tout cas. Mais 5-1, ça me semble un peu cruel au vu des notes. Quoique, ouais, ben non, en fait, ça peut, ça peut être le cas. C'est un peu cruel quand même 5-1. Les replays, ça donne quoi Ok. Euh, là, on aurait tendance à te croire par un. De toute façon, je tiens à préciser que Vala reviendra dans l'émission dans. J'ai plus la date exacte, mais dans 4 5, 4, 5, 6 semaines pour la dernière de la saison. Pour un peu avoir son bilan et tout. Donc, euh, il aura des choses à dire. En tout cas, on voit déjà dans le chat que Vala aura des choses à dire pour la dernière. Et ça, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on aime. Donc, euh, on fera le bilan, bien évidemment, de cette saison. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce qu'on a appris des choses, etc. Enfin, voilà, il y aura pas mal de choses à dire de toute façon. Et comment on va là, suivi en fait l'émission le, le, après le lancement et ce que ça a donné eh bien voilà, je pense qu'en tout cas, on est quand même pas mal. Pour le match amical, on l'organisera et je pense qu'on montera le 5-4-1. Euh, on continuera à monter le 5-4-1 de toute façon, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je vais juste regarder pour être sûr. En mettant simplement des les joueurs pour combler. C'est pour ça qu'on va pas faire la compo du match amical, parce que je ne pense pas que ça soit si intéressant que ça. Et de toute façon, le match amical n'est pas encore prêt, mais on fera ça d'ici demain ou après-demain. On préparera ça, en tout cas, pour que le 5-4-1 soit, soit monté. Et, euh, et on est plutôt pas mal, hein, je pense. On a fait un bon tour, hein, Grand Vince. Ouais, bah on a vu pas mal de choses. Clairement, clairement. C'était intéressant, en tout cas. C'est toujours chouette. Moi, j'aime bien, en fait, le côté d'avoir le point de vue, chaque fois, d'un nouveau joueur. Chaque semaine, donc, en fait, c'est euh... plutôt intéressant. Et donc, euh, c'était cool, en fait, de faire ça avec toi. Et c'est marrant, parce que, tu vois, es un peu le concurrent direct, et c'était drôle de faire cette émission avec toi, sachant que as quand même une belle expérience au Burkina Faso, vu que tu te débrouilles plutôt bien, donc... Euh... Tiens, est-ce que question, alors indiscrète peut-être, mais tu n'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu as mieux fait que nous, qui fait que tu as plus performé tu vois, euh, au niveau de la coupe et du championnat actuellement Tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. J'ai hein, mais... peut-être plus, euh, plus dépensé. Ce euh, n'est pas forcément un bon escient, mais à court terme, euh, j'étais plutôt dans le rouge que, que, que comme vous, avoir... Euh, de l'argent sur le compte. Euh, J'ai plus investi. Euh, là, j'étais euh, remonté dans le verre avec la, la prime de la coupe. Mais euh, jusqu'à présent, j'étais plutôt, euh, plutôt derrière. Il va falloir que je réinvestisse un peu dans, dans le stade où euh, il y a 15 000, euh, spectateurs. Donc, okay. Il va falloir que, que un petit peu. Ah, ça. Comme nous, en fait, effectivement, on avait aussi augmenté ça la semaine dernière, je pense. Euh, je ouais, peut-être miser un peu plus sur. Euh, du court terme pour, euh, pour essayer de monter euh, enfin viser, le, viser la montée euh. après le, le calendrier était un peu, un peu différent pour moi dans le sens où euh, vous enchaîniez les trois matchs euh, plus compliqués euh, dès le départ et puis, euh, et puis après une, une tournée de bottes euh, mmh. j'avais un peu de deux matchs au départ et puis après après des bottes euh, sur les c'était la mi-saison où j'ai affronté les Raptors. Euh, après, j'avais aussi dès le départ trouvé un, trouvé un ailier euh, qui avait euh, un brillant, un ailier, et puis 6 en construction euh, et un tempérament de chef à passable avec un, un impressionnant XP. Donc euh, j'avais quasiment enfin, acheté euh, quelques milliers d'euros. Donc ça me permettra de le passer en coach euh, au début de la saison prochaine euh, d'avoir un un bon coach à tempérament de chef dès le, dès le début de la saison prochaine. Okay. Et j'ai pas mal investi aussi sur mes, sur mes deux gardiens, parce que je forme gardien comme, comme le dit Crédit, avec un, un jeune que j'avais acheté euh, avec 17 ans et une trentaine de jours, euh, honorable et faible en défense. Et après, je suis parti sur un défenseur... Euh, de 18 ans, euh, qui était formidable défense et formidable coup franc, qui maintenant est arrivé à. et qui était, euh, pardon, catastrophique en gardien, et là il arrive à... à passable gardien, donc en début de saison prochaine il sera, il sera triple neuf pour, euh, pour attaquer la saison. Ok. Ah cool, merci en tout cas pour les, pour les infos. C'est vrai qu'il y a un truc où tu as raison, c'est vrai que l'argent, c'était Kasselet qui nous avait dit ça quand il était venu, c'était de il faut dépenser au maximum, enfin, voilà, enfin, beaucoup de gens nous ont dit ça d'ailleurs, je pense, même différentes personnes, il faut dépenser, dépenser. Mais c'est vrai que nous, avec le concept qu'on a, c'est difficile en fait. Les transferts, c'est vraiment le truc le plus difficile, il faudra qu'on trouve une manière de faire peut-être autre. Mais euh, moi, clairement, je le dis à chaque fois, et c'est vrai, le but, c'est de toucher au moins possible. Au club pendant la semaine, tu vois, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé tout le temps, et donc en fait, c'est vrai qu'il ya toujours ce problème de transfert qui, parfois, exceptionnellement, on a fait en dehors des, des émissions, etc. Donc, oui, j'avoue que pour ça, les transferts, nous, c'est pas là où on est au point euh, pour le moment, en tout cas. Mais euh... ouais, je te rejoins là-dessus, c'est moins évident par le, le concept du club, et puis euh, faut, être, faut être à l'affût euh, sur le marché des transferts pour, pour remettre une enfer, euh... ouais, c'est ça. J'avais une recrue en vue euh, cet après-midi pour, euh, pour renforcer un peu l'équipe. Et puis, euh, j'avais mis l'enchaire maximum. Et puis, bah, il est parti euh, juste au-dessus de l'enchaire maximum. Euh, euh, parce que je n'étais pas présent à ce moment-là. Donc, euh, forcément, ça, ça joue tout de suite sur, sur la compétitivité de l'équipe. Clairement, clairement. Et voilà qui nous confirme qu'en fait, euh, le... qu en fait, on sera quand même à 6,9 dimanche. Donc, c'est pas mal finalement au niveau de l'état d'esprit. Et quand on pic, ça reste autour de 6,9 le dimanche d'après. Donc c'est peut-être intéressant quand même. Ok, donc voilà finalement euh, nous dit que ça peut être intéressant finalement le pic. Euh, ok, euh, donc très, très bien. Parfait. Ok, ben bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait quand même un bon tour et puis euh, on va pouvoir conclure en tout cas. Sauf si, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié Tu penses Je ne crois pas dans la première vue. Euh, on a fait les jeunes, on a fait les seniors. Un petit tour sur les employés pour euh, pouvoir. Ouais. Euh... Les échéances de contrat Alors, au niveau des employés, nous avons euh, l'entraîneur adjoint, bien évidemment, de niveau 5. L'entraîneur adjoint de niveau 5 aussi. Donc, ça, c'était des contrats longs, donc juin, juillet. On a un médecin. Le psychologue. Ah oui, le psychologue. Est est le... Qui finit aujourd'hui, c'est vrai. À mon avis, ça, ça doit être le genre de contrat qui doit se renouveler à chaque fois. Euh, psychologue. Ah, mais oui, mais c'est pour ça aussi, peut-être, notre TS. Voilà, en fait, attendez, il y a une petite précision pour le TS, c'est le psychologue, à mon avis. <laughs> Euh, ok. Probablement que notre milieu en pic à 7 est équivalent à 4,5. Euh, et un français en masters, félicitations en tout cas. Alors euh, à Seysen en tout cas pour sa qualification, enfin pour euh, sa victoire en coupe. Euh, n'hésite pas, chef Lindois peut-être si tu, si, tu, si tu veux. S'il a des conseils à demander à un vainqueur des masters qui viennent vendredi, parce qu'on va a, on inviter le vainqueur des masters, donc euh, n'hésite pas à lui en parler éventuellement. Donc voilà, en tout cas le psychologue. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas le psychologue finalement Parce que c'est vrai que c'est un, un employé qu'on a pris au début. Donc ça, il faut voir. Tu as, ton, tu as quoi comme staff euh, de ton côté Deux adjoints, euh, j'imagine euh, aussi euh, Ouais, deux adjoints. J'ai un adjoint 5, un adjoint 4, et médecin 4, et psychologue 4. Ah bah, on est dans la même ligne en fait. Ok, parfait. J'avais hésité à changer le, le psychologue pour un préparateur physique euh, en affrontant les bots. Sur sur c'est ce qu'on a fait aussi finalement sur la, sur le mais je pense que Du coup il, il a un renouvellement automatique Ah bah ben non écoute Non pas du tout, la chance Et franchement t'as as eu un instinct là vraiment c'est fou Parce que tu t'es dit tiens on va regarder les employés Et en fait ouais, on avait pris pour 8 semaines Et finalement ça se termine aujourd'hui Donc est-ce qu'on se le renouvelle ou pas Alors déjà grand vie, tu... De quoi Un dernier vote ben, je pense, ouais, clairement. Hein. Est-ce qu'on le renouvelle ou pas Et si vous votez non, il y aura un autre dernier vote pour savoir par quoi on le remplace ou si on le remplace pas. Mais euh, effectivement, dernier vote. Est-ce qu'on renouvelle notre psychologue Ça sera oui ou ça sera non. À vous de voter. Vous avez deux minutes. C'est parti. Chef Lindois, si tu ne sais pas voter, euh, dis-moi et je voterai pour toi. Je pense que là, dans le panneau, euh, là où je suis, je peux voter pour toi. Non, pas besoin de renouveler contre les bots, ok. Par contre, si on ne le renouvelle pas, je suis d'accord, mais il faudra vraiment qu'on qu se rappelle qu'on doit le, le remettre en place euh, avant les humains. Pas avant les humains, avant les, les non-bots. Je pense que tu as dû avoir une notification sur ton bureau à Tric, de cette fin de contrat. Je vais regarder si c'est possible. Normalement, il y a une notification. C'est Le jour ou la veille de la fin de contrat. 3 du 5, nous avons joué un match, Masters, 10 crédits à gagner, 10 crédits à... Eh bah ben écoutez, euh, je suis désolé mais je, je pense pas. Hein. Tu vois là ça fait plus d'une semaine et en fait j'ai pas reçu de notif... Je pense pas hein, sinon je l'aurais vu tu vois comme la notif si. Ça me semble bizarre. Je sais pas si ça reste en mémoire par contre. Ah alors peut-être que c'est une news qui est passée, effectivement, et qui est pas restée en mémoire, alors autant pour moi. Mais okay. c'est vrai que normalement, les employés, tu as quand même souvent, effectivement, euh, ça. Euh... Siri, vendredi prochain, l'invité, c'est le vainqueur des masters. Ah oui, Siri, oui, c'est Aïssane, ok. Pas besoin de renouveler contre les bots. Bah, là, on part sur un non, euh, clairement. 100% de non, attention, donc euh, on ne va pas renouveler le psychologue, en tout cas. Bah, ok, donc rien à faire de notre côté. Euh... Ah oui, non, et alors, pardon, je dis ça, mais dernier vote. J'attends juste que ce soit fini quand même, comme ça on est clean au niveau du timing, il reste 20, 20 secondes. Et donc, on fera un dernier vote. Est-ce qu'on le remplace Et ça sera non. Attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, employé. Il euh, y a quoi comme employé déjà Donc, c'est attends, euh, potentiellement, par quel employé on pourrait le remplacer donc, c'est pas psychologue, ça peut être donc préparateur physique. C'est tout, en fait. Euh, attends. Préparateur physique ou ouais, assistant tactique, mais ça serait pas pertinent, l'assistant mmh. tactique. Peut-être le préparateur physique pour essayer de remonter un peu la forme, mais je sais pas sur quelques semaines si ça a réellement un, un effet. Je pense Vous en pensez quoi, dans le chat Est-ce que ça sert à ça quelque chose de refaire un, un vote ou pas Est-ce qu'on le remplace On va faire juste à main levée, et puis si vraiment on voit que c'est tendu, là, on fera un vote, mais... Euh vu forme de merde le prépa peut-être. C'est vrai qu'on a une forme de merde par contre, ça c'est vrai. Si si un préparateur. OK OK. OK, ça part euh, sur le préparateur à première vue en tout cas, je vais juste attendre de voir si d'autres personnes euh, se manifestent. Et donc ça veut dire demain, je vais prendre le préparateur absolument. Un préparateur physique. Il faut, il faut penser au match contre toi aussi, Grand Vince, nous dit ce' C'est vrai. Ok, parfait. Bah écoutez, très bien. On prendra dans ce cas-là un préparateur physique, donc je le prendrai demain, bien évidemment. On prend ça à ce moment-là. Ça peut être un, un préparateur physique à, sur quelques semaines et qui peut être remplacé par un, par un psy au, au dernier moment avant les, avant les matchs clés. C'est vrai. C'est vrai. Le prépa pour l'enduit des vieux aussi, effectivement. Ouais, non, c'est intéressant. Pour te broyer les os, ce Popette. Voyons, on ne parle pas comme ça aux invités. <laughs> pas peur, même pas peur. <laughs> Préparateur, on a une vraie forme de merde. Il faut remonter le fond de forme pour que la tendance sur le long thème remonte. Effectivement. Pas bah, très bien, mais on fera tout ça. En tout cas, on a vu pas mal de choses ce soir. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait beaucoup. Et sinon, euh, on ne termine jamais. Vous savez que c'est passionnant. On pourrait en discuter pendant des heures. Euh, bah écoute, euh, Grand Vince, je suis désolé parce que je sais que les prochaines semaines je vais encore t'appeler GD Vince. Je vais essayer de retenir, mais quand t'es le pseudo, ça fait des semaines et des semaines que tu dis ce même pseudo, c'est dur de changer. Mais je vais essayer. Je m'y suis habitué aussi, donc il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit GD Vince, mais dans le chat aussi, non Vous avez dit aussi, dans votre tête quand vous lisez le pseudo, vous dites GD Vince ou Grand Vince J'ai vraiment eu le doute juste avant de t'avoir, je me suis dit, en fait, je me suis dit, imagine si en fait c'est Grand Vince et pas GD Vince, mais je pensais pas que tu allais me dire oui en fait. GD, ok, ouais, non, mais c'est. En même temps, il ne t'avait jamais demandé de dire autrement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais bon. Mais écoute, franchement, merci beaucoup d'être venu. C'était quand même un réel plaisir. C'était vraiment intéressant, en tout cas, de, de t'avoir avec Pas nous. Le plaisir à partagé partager. C'était une première pour moi de, de participer comme ça sur... sur un live en direct. C'était et... plutôt sympa. Ouais, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment, en tout cas. Très bon moment. C'est cool. Ça, ça passe vite. Hein. C'est souvent ce que les gens ils disent, mais c'est vrai que là on est resté deux heures, ça passe très vite hein, quand même. Ouais, complètement. Au début on se dit ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, raconter, <laughs> euh, ça on tiendra jamais deux heures comme les autres. Et puis au final, euh, ouais, ça a de si. bon. à la fin on doit même couper tellement il y a des choses à dire, tu vois. <laughs> c'est presque ça. Mais euh, parfait. Merci aussi à Z qui était fort occupé mais qui était quand même présent euh, en fond avec nous. Oui hein, je en fond, comme tu dis. Ouais, c'est ça, donc euh, merci en tout cas de ta présence. Merci beaucoup au chat, bien évidemment, euh, ça fait toujours plaisir de vous avoir avec nous. Ce concept il marche parce que vous êtes en présence avec nous en direct, mais on n'oublie pas les gens qui nous écoutent en rediffusion parce qu'ils ne peuvent pas être là. On vous embrasse aussi bien évidemment et on espère que tout va bien de votre côté. Euh, n'hésitez pas à hein, ceux qui nous écoutent en rediffusion, si parfois vous pouvez passer les mercredis ou les vendredis, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou parce que c'est... On va dire que l'expérience est plus sympa aussi pour nous, c'est sympa d'avoir des gens en direct aussi, donc n'hésitez pas en tout cas, même si on sait que ça vous plaît aussi en rediffusion. Et alors, euh, à instant promo vite fait, donc euh, n'hésitez vraiment pas à venir la, euh, vendredi ce vendredi parce que euh, faut s'imaginer qu'il y a eu un vainqueur des masters c'était jeudi dernier et on va l'avoir en exclusivité chez nous alors on est un peu les seuls à faire des interviews donc c'est un peu normal on va dire mais on peut dire qu'on sera les premiers à pouvoir interviewer le, le vainqueur des masters ça sera en anglais mais on fera ça du mieux possible, en tout cas, pour que ça soit agréable pour vous, un peu comme il y avait eu HT Johan à l'époque, etc. Mais donc, préparez déjà vos questions à lui poser, parce que ça peut être intéressant. Je pense que pour le vainqueur des masters, vous avez certainement des questions à lui poser. Donc, ça peut, euh, voilà, ça peut être fort intéressant. Et alors, pour conclure, donc voilà, merci à tous, bien évidemment. Et pour conclure, je pense qu'on va faire comme d'habitude, laisser peut-être le petit mot de la fin euh, à notre invité, à Grand Vince. Voilà. On te laisse le mot de la fin. Euh, J'espère. Euh ça vous a plu, euh, un petit coucou au passage aux gens qui vont regarder la rediff et puis, euh, puis j'espère pouvoir jouer un, un match en jeu contre le, le Decredi FC en, en J13 <laughs> ça marche, à plus allez, à plus <music>